Mes chers collègues, bien le bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre donc la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2023. Alors, nous avons donc examiné lundi et mardi 285 amendements et il nous reste 392 amendements à examiner. Voilà, oui. Nous n'avons pas fini, mes chers collègues. Nous n'avons pas fini. Alors, oui, monsieur Monnet, vous vouliez intervenir ? Oui, madame la présidente, excusez-moi. Merci de me donner la parole. J'ai juste un petit problème sur notre méthode de travail. Puisque hier, dans l'hémicycle, il y avait des textes importants où il fallait être présent. On a continué le travail de commission où certains amendements ont été évacués à 4-5 personnes dans la salle. Les débats que nous n'avons pas ici, nous les aurons inévitablement dans l'hémicycle et je ne suis pas sûr que ce soit un gain de temps de maintenir la commission quand il y a des textes importants. Donc c'est dommage parce que ça nous supprime des débats qui pourtant seraient intéressants sur un certain nombre de sujets. Donc un coup on suspend, un coup on ne suspend pas. Non, il faudrait quand même qu'on puisse avoir une vision claire de tout ça. Quoi, parce que c'est, voilà. J'entends, monsieur le député, votre remarque tout à fait louable. Je n'ai fait qu'une suspension de séance hier soir, à la demande d'ailleurs de madame la rapporteure, qui était plutôt une pause technique, voilà, hein, on va dire les choses. Je n'ai pas fait d'autres suspensions. Voilà, je n'ai pas fait d'autres suspensions, monsieur le député. Je comprends que les débats dans l'hémicycle soient importants, également au sein de notre commission. Voilà, après, il y a un choix à faire. Nous sommes aussi... Voilà, l'agenda est contraint, comme vous le savez... au niveau du budget, donc j'ai poursuivi. Voilà. J'entends bien sûr votre remarque. C'est la même chose d'ailleurs pour l'ensemble des députés, majorité, opposition, on l'entend. Voilà. Nous allons donc poursuivre avec mes chers collègues, si vous le voulez bien. Ici, il y a un petit peu de calme à ma droite. Avec l'article 23... 23, trois amendements de suppression de l'article 23. Et je commence avec M. Colombani. Merci, Madame la Présidente. Disons qu'on va dire qu'on est à peu près tous d'accord sur le diagnostic, mais pas sur le traitement que vous proposez, Madame la rapporteure. Donc, dans ce contexte national de déficit de médecins généralistes qui tente à s'aggraver dans les années à venir, la priorité est à l'attractivité de cette filière de médecine générale afin de ne pas aggraver les effectifs médicaux pour les années à venir. Or, c'est la création de cette quatrième année de médecine générale se heurte au moins à deux écueils. Un manque de praticiens agréés et maîtres de stage, et c'est la majeure, pour assurer des conditions de formation sécuritaires et professionnalisantes en cas d'ajout de 4000 étudiants en stage ambulatoire. Et bien sûr, derrière, une baisse potentielle de l'attractivité fragile d'une filière qui ne remplit ses quotas que depuis une poignée d'années. Les résultats en seraient donc une augmentation des difficultés d'accès aux soins par une baisse du nombre de médecins généralistes formés. Les conditions d'application de cette quatrième année doivent donc être précisées en amont afin que cette mesure n'engendre pas de conséquences délétères à moyen terme. Cet amendement propose donc de surseoir à son application. Bien. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement ? Pardon. Ouais, on démarre. Attendez. Il y en a deux autres qui sont identiques. Et je passe la parole à Madame Levasseur. Merci. Bonjour Madame la Présidente, Madame la Rapporteure. Dans un contexte national de pénurie de médecins généralistes, d'extension des déserts médicaux et d'aggravation des conditions de prise en charge des Français, dont plus de 5 millions n'ont pas de médecins traitants, il n'est pas envisageable de reporter l'entrée d'étudiants en médecine générale dans la société. Il en résulterait une augmentation des difficultés d'accès aux soins. De même, le nombre de praticiens agréés maîtres de stage des universités est aujourd'hui insuffisant pour assurer les conditions de formation de 4000 étudiants, qui, par ce présent article, s'ajouteraient en stage ambulatoire. Cet article ne ferait que créer davantage de difficultés dans les crises actuelles d'accès aux soins. Voilà pourquoi il faut le supprimer. Merci. Merci bien, Madame la députée. Amendement suivant, Madame Rousseau.
Eh bien, il s'agit d'un amendement très proche, puisque, en effet, ajouter une année de médecine à un moment où nous avons une pénurie dans bien des endroits de notre pays, et à Paris d'ailleurs, où beaucoup de médecins généralistes sont en patientèle fermée, eh bien, c'est aggraver la situation de crise et la difficulté d'accès aux soins de bien de nos concitoyens et concitoyennes. Et donc, nous voudrions supprimer cet article. Merci bien. Madame la rapporteure, votre avis ? Bonjour. Alors bonjour à tous. Merci Madame la Présidente. Cet article propose de rajouter une quatrième année aux étudiants en médecine générale qui s'inscrit en fait dans la réforme du troisième cycle des études. La filière médecine générale est la seule qui n'a pas cette quatrième année pour l'instant. C'est bien une année supplémentaire à visée pédagogique, avec un fléchage des stages dans les zones dites sous-denses. Vous l'avez dit, ces stages doivent être encadrés par des maîtres de stage universitaires, même dans les zones sous-denses. Et même s'il y a une grande progression de ce nombre de stages, hein, entre 2021 et 2020, c'est plus de 7%, on est à plus de 12 000 mètres de stage, et la progression continue et il faut la poursuivre. Mais c'est pour ça aussi qu'il n'est pas inscrit dans l'article que c'est obligatoirement fléché dans les zones dites sous-denses. Donc cet article est important parce qu'il permet de renforcer la formation des étudiants en médecine générale de la même sorte que les autres étudiants en médecine. Et donc c'est un avis tout à fait défavorable. Très bien. Donc j'ai plusieurs demandes de parole. Monsieur Neuder ? Oui, qu'on rediscute de l'opportunité ou pas d'une quatrième année de médecine avec des arguments, on va avoir l'objet de le faire ce matin et on le refera en hémicycle. Par contre, je ne comprends pas l'intervention de Madame Rousseau, où je ne vois pas en quoi, qu'on soit d'accord ou pas sur une quatrième année de médecine, aggrave la situation de pénurie médicale et de malheureusement de non-accès aux soins. Ça peut au pire ne pas avoir d'effet, mais l'aggraver, je pense qu'il y a une méconnaissance du sujet. Très bien. Monsieur Valtou ? Monsieur Dharréville ? Oui, merci Madame la Présidente. Cette mesure, effectivement, pose un certain nombre de questions, si ce n'est de problèmes. D'abord, on ne comprend pas bien s'il s'agit de travail supplémentaire organisé pendant les études ou d'une véritable année de formation en plus. On ne comprend pas bien, ou plutôt, moi je crois comprendre, qu'en réalité, il s'agit de pouvoir disposer d'un volant de main-d'œuvre qu'on pourrait répartir sur le territoire et qu'on pioche parmi ces étudiants. Je ne sais pas s'il y a une vraie plus-value pour la formation de cette huitième année que vous rajoutez comme ça. Donc c'est quand même assez étonnant comme procédé. Et effectivement, ça veut dire qu'on rajoute une année d'études. À mon avis, de ce point de vue-là, les choses sont quand même assez faiblement argumentées. Voilà. Et donc, effectivement, si il s'agit de rajouter une huitième année d'études, formellement, et non pas de la deuxième option que j'ai décrite, oui, ça va retarder l'entrée dans l'activité d'un certain nombre d'étudiants dans l'activité de manière classique et traditionnelle. Donc, cette mesure nous a été vendue comme une des mesures phares du PLFSS. Elle nous interroge beaucoup. Et sur ses effets, et sur ses intentions. Merci bien, monsieur le député. Monsieur Juvin. Madame la Présidente, merci. Tout d'abord, cette quatrième année d'internat, ce n'est au fond qu'aligner l'internat des médecins généralistes sur l'internat des autres spécialistes. Les autres spécialistes font 4 ou 5 années d'internat. Les médecins généralistes aujourd'hui, qui sont des spécialistes, ne font que 3 années d'internat. Or, la médecine générale est probablement une des médecines les plus complexes. Et il est très paradoxal d'avoir un internat aussi court de 3 ans. Et les témoignages sont nombreux de jeunes médecins qui, à la fin de leur internat de 3 ans, disent qu'ils ne sont pas suffisamment bien formés. Donc cette quatrième année, elle améliore d'abord la formation des futurs médecins. Deuxième point, l'argument selon lequel cette quatrième année repousserait l'entrée sur le marché, en fait c'est ça qui est dit,
de ces jeunes médecins et donc diminuerait l'offre de soins, en fait, ne tient pas. Parce que justement, cette quatrième année, c'est une année d'internat en ville, enfin en médecine ambulatoire. Et donc, ces jeunes médecins ne vont pas disparaître de l'offre de soins. Au contraire, ils vont continuer à y participer. C'est un peu comme si nous apprenions ce matin que durant l'internat, les internes ne participent pas à l'offre de soins. Les internes participent à l'offre de soins. Donc il n'y a vraiment aucune diminution de l'offre de soins, simplement une amélioration de leur formation à condition, et là je suis les différents intervenants, y compris Madame la rapporteure, qu'il y ait des maîtres de stage et que cette formation soit vraiment, cette année soit vraiment une année de formation. Très bien. Monsieur Martin. Merci, Madame la Présidente. Cette quatrième année, c'est un changement important pour la formation de nos futurs médecins généralistes. Et elle doit les aider à préparer leur future installation. Ils disent eux-mêmes, les internes en médecine générale, qu'ils ne sont pas prêts, à la fin de la troisième année, à se lancer dans, entre guillemets, l'aventure de l'installation. Et que font-ils? Ils font des remplacements. Ils essayent de se familiariser avec la technique de gestion d'un cabinet médical. Ils essayent, effectivement, parce que leur formation ne le comprend pas, d'avoir des orientations sur les démarches administratives, etc. Donc, les internes acceptent l'idée de cette quatrième année. Simplement, ils ne veulent pas la subir. Ils ne veulent pas que ce soit une punition. Ils ne veulent pas jouer le rôle de bouche-trou dans des déserts médicaux. Il faut donc que, dans le contenu de cette quatrième année, outre la pédagogie, il y a un aspect qui soit abordé sur les conditions d'exercice de cette quatrième année, qu'elle soit valorisée et qu'elle soit valorisante pour leur futur exercice professionnel. Merci bien, monsieur le député. Monsieur Vigier. Oui, merci, madame la présidente. Cette quatrième année, d'abord, il faut rappeler, notre collègue Juvin qui l'a dit tout à l'heure, elle était, il y a encore quelques mois, appelé de ses voeux par les internes eux-mêmes. Après, la présentation qu'en a été faite, non pas par M. Juvin, mais dans le cas de ce PLFSS, on ne peut pas dire qu'elle crée la véritable condition d'une attractivité. Je suis d'accord, chers collègues, avec le fait qu'on aligne la formation de la spécialité de médecine générale sur les autres spécialités. Simplement, ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire à ces étudiants qui terminent leur cursus, qu'ils ont avec une dixième année, et qui sont opérationnels, parce que vous savez tous que dans le cas des trois premières années d'internat de médecine générale, il y a déjà 18 mois qui doivent être faits normalement auprès des médecins généralistes qui sont leurs maîtres de stage. En principe, ça devrait se faire comme ça. Ça ne se fait pas comme ça partout. Après, c'est les doyens de faculté de médecine qui, naturellement, font plutôt de l'hospitalocentrisme et en mettant les internes dans les CHU. Mais la difficulté, c'est qu'on ne peut pas dire, moi je vous le dis très clairement, à ces jeunes internes, dont d'ailleurs Mme Rousseau, 10% simplement s'installent, même pas 8% de ceux qui sont avec un diplôme s'installent. On doit tous avoir ça en tête. Ils s'installent plutôt 3, 4, 5 ans plus tard. Ce qu'il faut, c'est leur proposer une quatrième année, mais bien rémunérée. Et la difficulté, elle est là, donc c'est gérer une attractivité et pas considérer qu'on va les flécher uniquement sur les déserts médicaux. Alors il y a un statut qui existe. Il existe depuis 2016. C'est le statut de médecin adjoint qui marche très bien. Et la raison pour laquelle, moi, je pousse pour cette idée-là, parce que médecin adjoint, c'est sous la responsabilité d'un médecin, avec des rémunérations qui sont celles, pas la sécurité sociale, parce qu'ils ont la capacité de facturer les actes. Et au moins, c'est une reconnaissance pour eux, une nouvelle attractivité. Et le dernier avantage, c'est que là, vous en projetez 4000 sur les territoires. Cherchez l'erreur. Merci bien, monsieur le député. Monsieur Delaporte. Oui, merci, madame la présidente. Cet article va dans le sens d'une plus forte coercition que nous soutenons avec notre groupe pour répondre à la problématique de la désertification médicale. Et on peut saluer le fait qu'il y ait désormais une philosophie qui soit plus régulatrice qu'incitatrice. Et notamment, nous défendons, notre groupe, l'obligation d'installation, et vous le savez. On peut néanmoins formuler plusieurs critiques. On a évoqué tout à l'heure le niveau de rémunération. Parce que si on s'engage dans des études de médecine, on ne s'engage pas pour gagner 400 euros par mois ou 200 euros par mois en fonction quand on est en stage. Ce n'est pas normal et ça, il faut impérativement travailler là-dessus. Une deuxième critique, c'est la question du champ et du périmètre. Pour l'instant, c'est
réalisée en priorité dans les déserts médicaux et non obligatoirement dans les déserts médicaux. Et donc, on peut supposer qu'il y a une forme de mollesse dans le principe de coercition. Par ailleurs, donc, j'ai évoqué le niveau de rémunération. Et puis, une dernière question, c'est la question du délai. Si aujourd'hui, on considère qu'il y a urgence à l'installation dans les déserts médicaux, apparemment, ça ne devrait être mis en œuvre que dans 5 ans, d'où une question qui est la question du délai. Quelle est l'échéance de l'application de cet article 23 ? Parce que pour l'instant, nous ne sommes pas encore fixés là-dessus, même si nous soutenons la philosophie de cette mesure, mais qui doit s'accompagner, et c'est une demande des étudiants qui sont prêts à accepter plus de coercition, d'une revalorisation de la qualité de la formation, de leur accompagnement, parce que moi j'ai aussi croisé des étudiants en médecine qui disent « mais attendez, nous, aujourd'hui, on est pressurisés, on souffre de quasi-burn-out, de harcèlement parfois quand on est en situation de stage, donc il faut véritablement mieux protéger les étudiants et surtout mieux les rémunérer ». Très bien. Donc je vais passer la parole à M. Thomas Meynier et ensuite au porteur... Oui, et Monsieur Monnet. Oui, parce que je vous le dis tout de suite, il y en a d'autres qui demandent à intervenir. Il y aura des amendements sur le même sujet, parce que si je redonne la parole, je refais un deuxième tour de table, on est là demain matin. Donc, on le sera de façon certainement. Oui, alors, je repars la parole à Monsieur Meynier. Oui. Oui, merci, Madame la Présidente. Bon, sans vouloir allonger les débats, mais on est sur un des articles importants, les plus importants de ce PLFSS. Juste dire aux collègues socialistes qu'il ne s'agit pas du tout d'une mesure de coercition. Il s'agit d'une mesure de formation. On pourrait débattre de sa place dans le PLFSS. Mais il s'agit d'une mesure de formation qui va permettre de mieux former les médecins généralistes. C'était d'ailleurs demandé à la fois par les enseignants et par une partie des étudiants depuis longtemps. Et ce n'est pas une mesure de coercition. Et... Quand vous évoquez la mollesse de l'écriture, en réalité, elle est très pragmatique. C'est-à-dire que ces internes vont être envoyés en stage ambulatoire chez des maîtres de stage. Ça dépend donc du nombre de stages et de l'installation de ces maîtres de stage. Par définition, il y a moins de médecins dans les zones sous-denses. Donc par définition, il y a moins de maîtres de stage en zone sous-dense. Il faut tout faire pour qu'on améliore la transformation de médecins généralistes en maîtres de stage dans ces zones sous-denses. Mais on ne peut pas avoir une autre écriture que celle de l'envoi prioritaire dans les zones sous-denses, de ce fait, tout simplement. Mais ce n'est pas une mesure coercitive qui vise les jeunes médecins. C'est une mesure de formation. Très bien. Monsieur Monnet. Oui, merci, Madame la Présidente. C'est juste sur ce débat, en fait... Aujourd'hui, il y a deux écoles sur la question de la santé. Il y a ceux qui sont pour imposer un certain nombre de choses en termes d'installation parce qu'il y a un vrai danger de santé publique, où on a sur nos circonscriptions un nombre de personnes qui n'ont plus accès du tout à la médecine de ville, ce qui est un vrai problème. Donc, il y a cette école qui considère qu'il faut un minimum d'imposition pour organiser les choses. Et puis il y a l'école qui considère qu'il ne faut rien changer et qu'il faut laisser la totale liberté d'installation. On voit bien que ce système-là est à bout de souffle. Et créer ce qu'on appelle des déserts médicaux. Moi, j'aime pas beaucoup ce terme, mais en tout cas, créer de vraies difficultés dans la démographie médicale. Et le débat devrait porter là-dessus. Alors, moi, je comprends que certains ont du mal à imaginer qu'on puisse imposer quelque chose à des gens qui sont quand même financés par l'État et par la sécurité sociale avant tout. Voilà. Mais le débat de fond, c'est celui-là. Très bien, monsieur le député. La parole est à madame Mélin. Merci, Madame la Présidente. Deux mots sur ce débat qui est fondamental, parce qu'il commence à être épuisant de traiter les conséquences quand il faudrait traiter les causes. Dans le cas de figure, il y a eu des erreurs qui ont été faites en amont, probablement la formation. Mon collègue Juvin parlait tout à l'heure, d'autres médecins sont dans cette salle. On sait très bien que nous avons eu des études plus courtes, moins compliquées, moins technocratiques, et pourtant nous avons été 70 heures par semaine sur le terrain, 365 jours par an, et on n'avait pas peur d'y aller. Mon étonnement me vient depuis une quinzaine d'années de voir les collectifs d'internes exprimer leur appréhension, pour ne pas dire leur peur, à aller sur le terrain. Et je me suis toujours posé la question, puisque eux, par définition même, lorsqu'ils sont à l'hôpital, soit dans les services, soit aux urgences, ont à traiter les cas médicaux, et si je ne prends que le versant médical des choses, ils ont à traiter les cas les plus graves, que précisément les généralistes ne traitent pas, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce qu'ils ne savent pas.
Et à partir du moment où on a créé une spécialité de médecine générale qui peut-être, j'entends bien dans le cursus et la valorisation des études à sa valeur, mais qui est en fait l'inverse d'une spécialité qui est par définition holistique, peut-être s'est-on un petit peu trompé. Et enfin, la peur des installations, elle est quoi ? Elle est purement administrative. C'est pas si compliqué de ça de faire une spécialisation pour que les quelques actes administratifs qui sont ceux des généralistes en ville. Alors pour tout ça, venir faire des usines à gaz où on entretient quelque part cette appréhension pour arriver à mettre sur le terrain encore une fois des généralistes qui vont être entre guillemets low cost, ce qui est insupportable, il faut effectivement qu'ils soient, même s'ils sont encore étudiants et qu'ils ne sont pas thésés, ils soient honorés comme les médecins de ville. Mais après, se poser la question pour quel métier, quand on voit encore comment hier soir, nous avons dépouillé la profession médicale de je ne sais combien de prérogatives, je me demande ce qui va le rester du contenu de la profession médicale, au-delà même de ne plus avoir de médecins. Cette mort programmée des médecins de ville, ces déserts médicaux, pardonnez-moi, en même temps que l'atteinte qui est faite aux agriculteurs et aux services publics, est tout à fait préjudiciable. Vous reviendrez sur le sujet, Madame Mélin. Simplement, vraiment, quand vous défendez ou vous intervenez, je vous demande de respecter les deux minutes, parce que là, franchement, c'est pas possible. Donc, ça a dépassé un petit peu les deux minutes. OK ? Right. Bon. Allez, je repasse la parole à ceux qui ont défendu les amendements, à savoir M. Colombani. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'ai entendu un certain nombre d'argumentaires. M. Juvin dit qu'il faut mettre en place cette quatrième année. Peut-être qu'une partie de la profession le réclame. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va engager des jeunes qui ont 27-28 ans, on va leur allonger une année, mais à ma connaissance, on n'a rien prévu en termes de rémunération. Les médecins vont avoir, les jeunes généralistes vont avoir le même, vont pas avoir de rémunération augmentée. Et donc, quand vous avez 27-28 ans, si vous devez choisir une profession qui prend le même temps de formation et qui est moins rémunérée, c'est là qu'on dit qu'il y a une baisse d'attractivité pour la filière. Et le deuxième problème, c'est que c'est les maîtres de stage. Les maîtres de stage, aujourd'hui, il en manque 4000. En 2026, quand la réforme va rentrer en vigueur, ils ne seront toujours pas là, parce que quand vous êtes maître de stage dans un endroit isolé, vous n'avez pas de possibilité la plupart du temps d'avoir ne serait-ce que des remplaçants pour prendre des vacances, donc vous ne pouvez pas prendre sur votre temps médical pour partir faire de la formation. Et ça, c'est un écueil fondamental. Si aujourd'hui, on pourrait imaginer rendre plus facile la formation des maîtres de stage, mais ça veut peut-être dire aussi diminuer la qualité d'enseignement. Donc voilà, c'est un choix qui est pas compliqué, c'est pas un débat idéologique sur la coercition. Très bien, monsieur le député. Madame Rousseau. Merci, madame la présidente. Dans les arguments qui ont été posés, moi, je maintiens la défense de cet amendement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les étudiants dans cette quatrième année ne travailleront et ne participeront à l'offre de soins qu'à hauteur de 50% de leur temps, ce qui signifie qu'on se prive quand même de 50% d'une promotion qui arrive sur l'offre de soins. Et donc, on a un sujet autour de ça. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas aller vers un alignement du temps d'études qui ne soit pas un alignement des conditions salariales, faute de quoi, et ça a été très bien dit précédemment, on aura une différence de traitement entre des personnes qui auront pourtant le même niveau d'études et qui ne seront pas et qui choisiront forcément la spécialité puisque ce sera plus rémunérateur. Enfin, il y a quand même cet aspect aussi de manque de maîtres de stage qui a été évoqué plusieurs fois, mais qui est que si il nous manque 4000 maîtres de stage, comment faire en sorte que ces personnes soient correctement encadrées ? Donc en fait, là, nous sommes dans une réforme qui est en fait non abouti. Sur l'alignement des médecins généralistes sur les spécialistes, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, il nous faut alors revoir les tarifs de prestations autant que les conditions d'études et augmenter le nombre de maîtres de stage. Très bien. Madame Levavasseur, on passe au vote, non ? Très bien. Je rappelle la règle. Je rappelle, s'il vous plaît. On intervient, je laisse le débat se dérouler. Quand il n'y a plus d'inscrits, je donne la parole à ceux qui ont porté les amendements et après on passe au vote. Je ne refais pas un deuxième tour de table après celles et ceux qui ont défendu les amendements. Très bien. Non, franchement, parce que sinon, et d'autant plus qu'il y a d'autres amendements sur le même sujet. Donc voilà. Très bien. Allez, on avance. Donc je mets aux voix. Par contre, madame la rapporteure, bien sûr, elle peut intervenir. Oui, je voudrais répondre, mais très rapidement. Madame Rousseau, vous dites que c'est 50% de leur temps. En fait, cette année, elle existe déjà pour les autres spécialités. C'est une année qu'on appelle en autonomie supervisée,
Qu'est-ce qui se passe pour les internes de spécialité dans cette année-là? Par exemple, ils sont en consultation, tout seuls, autonomes, et s'ils ont un problème, ils en réfèrent à leur chef, à leur tuteur, à leur maître de stage. Donc c'est 100% de leur temps qui est de l'offre de soins. Vous dites il est important de regarder leurs conditions salariales. On est d'accord, il y a un comité qui est créé avec les étudiants pour mettre en place opérationnellement cette quatrième année. Et bien entendu, le sujet des conditions salariales, qui se rapprocheront probablement de ce qui a déjà été pour les autres quatrièmes années des autres spécialités, va être pris en compte. Et peut-être que ça sera un moment aussi où on pourra inciter financièrement d'aller dans certaines zones sous-denses par l'intermédiaire de cette incitation financière. Et vous dites il n'existe pas assez de maîtres de stage. Mais c'est ce qu'on dit et ce que dit l'article. C'est s'il n'y a pas de maîtres de stage, l'étudiant n'ira pas, il ne fera pas la quatrième année. Enfin, elle fait quoi cette quatrième année? Et c'est pour ça que je suis vraiment très défavorable à l'amendement de suppression. Mécaniquement, ça va emmener plus d'étudiants en stage dans les zones sous-denses, puisqu'il y a une année de plus. Donc mécaniquement, il y aura plus d'étudiants dans les zones sous-denses. Ils vont être mieux formés. Et en fait, contrairement à ce qui a été dit, qu'est-ce que veut un étudiant en médecine actuellement? Il veut pouvoir aller travailler dans un endroit, que ce soit en zone rurale, pas rurale, montagnarde ou à la mer, n'importe où. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est de pouvoir soigner correctement les malades. Et pour pouvoir soigner correctement les malades, eh ben, il faut avoir un encadrement, un maître de stage, des relations avec les autres spécialités, ne pas être isolé. Et cette quatrième année, elle va complètement dans son sens, dans ce sens-là. Donc je crois que c'est très important de ne pas voter ces amendements. Très bien. Donc je mets aux voix ces trois amendements qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Les amendements sont rejetés. Monsieur Ruffin, j'ai rappelé la règle à l'instant. Mais non, pas après les porteurs. Mais Monsieur Ruffin, je vous donne la parole sur l'amendement suivant si vous le souhaitez. Oui, je sais, mais c'est pour ça. Mais il y en a d'autres qui ont levé la main également. C'est pour ça que j'ai rappelé la règle. Alors, je passe la parole cette fois-ci pour l'amendement suivant, le 1125, Madame Levavasseur. Madame Levavasseur, Défendu. Défendu, très bien. Madame la rapporteure, défavorable. Défavorable, je mets au... Oui, Monsieur Ruffin, pardon. Non. Moi, je suis opposé à la logique qui fait que la jeunesse, et y compris dans la médecine, est une variable d'ajustement. Aujourd'hui, 40% des médecins, en gros, à l'hôpital, sont des internes. Et c'est comme s'il était normal de se dire, finalement, je le dis avec mes mots, mais ils vont en chier, ils vont aligner des nuits de garde et des journées de garde et se faire des heures et des heures pour une sous-paye, et finalement, l'hôpital va tenir sur cette main-d'œuvre corvéable et serviable à merci. Et je pense qu'on doit sortir de ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est indigne et c'est pas parce que ensuite les gens vont bien gagner leur vie qu'il faut les faire marner pendant des années en début de carrière. Ensuite parce qu'il y en a un certain nombre qu'on dégoûte. Les taux d'anxiété, d'après une enquête sur la santé mentale des internes, c'était 70% d'anxiété, 25% de symptômes de dépression et un taux de risque de suicide qui était 3% supérieur à la moyenne des Français. Donc là, on a une situation qui est psychologiquement difficile et je pense qu'il faut en finir avec cette manœuvre-là. Et là, ce que je vois, c'est de se dire dans l'inconscient, là, qu'on est en train de mettre en œuvre, finalement... non seulement ils vont tenir les hôpitaux, mais ils vont aussi possiblement tenir avec une main-d'œuvre sous-payée la médecine des campagnes. Et moi, la jeunesse ne doit pas être une variable d'ajustement, même quand il s'agit d'une jeunesse diplômée. Je défends en général la jeunesse populaire, mais le même raisonnement doit se tenir à l'égard de la jeunesse diplômée. Elle doit être respectée aussi. Et c'est pas, on va lui en faire suer maintenant et elle gagnera bien sa vie plus tard. Très bien, monsieur le député. Monsieur Cyril Isaac-Sibyl. Merci, madame la présidente. Non, je trouve que cet article est intéressant, est important, et il est intéressant. La seule chose, c'est que moi, on aimerait avoir plus de précisions par rapport à cette quatrième année. Cette quatrième année d'internat, effectivement,
c'est très bien, effectivement, les internes en médecine générale vont pouvoir aller dans des territoires désertés. Le principe, c'est, est-ce que vous pouvez nous préciser les conditions d'accompagnement de ces étudiants ? Quel statut ils auront ? Est-ce qu'ils auront un statut de médecin thésé ou non thésé à la fin de la troisième année ? Est-ce qu'ils seront internes ? Est-ce qu'ils seront médecins adjoints ? Est-ce qu'ils seront médecins collaborateurs ? Et entre guillemets, quelle sera leur rémunération ? Et éventuellement, les mesures d'accompagnement, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau des logements, si effectivement ils vont être et même de leur famille, dans le sens où à 28 ans, effectivement, on peut avoir en conjoint des enfants. Quelles sont les mesures d'accompagnement qui pourront être importantes, et on peut comprendre un petit peu les inquiétudes. Donc je pense que pour discuter de cet article, il faut que vous puissiez nous donner des informations complémentaires pour qu'on ait la réalité de leurs conditions. Je vous remercie. Très bien. La parole est à Monsieur Daréville. Oui, merci, Madame la Présidente. Peut-être trois remarques supplémentaires dans notre discussion. Parce que je crains effectivement que la qualité de notre discussion dans l'hémicycle soit pas tout à fait équivalente. Concernant les études, moi, je suis favorable. Nous sommes favorables à ce qu'on revoie l'organisation des études de médecine de façon générale, y compris à ce qu'on regarde comment on peut travailler un recrutement qui soit aussi plus populaire et avec une reconnaissance de la longueur de ces années d'études pour la suite de la vie professionnelle. Peut-être plus exactement même pour la retraite, etc. Bon, il y aurait beaucoup de choses à regarder pour revoir ces études-là. Là, vous ne me faites pas la démonstration, Madame la rapporteure générale, dans ce que vous avez dit, qu'il y a une plus-value pour la formation. Je suis désolé, mais je ne vois pas quel est le plan, en fait. Ce n'est pas clair dans l'ensemble général. Deuxième élément, effectivement, il y a une année d'études supplémentaires pour les spécialistes. Vous savez que nous avons trop de spécialistes aujourd'hui, pas assez de généralistes. Nous formons trop de spécialistes, pas assez de généralistes. Voilà. Et donc là, vous ne rajoutez pas un argument en faveur de la formation de généraliste dont vous faites une spécialité, ce qui est quand même aussi un peu interrogeant. Et dernière chose, le sentiment que j'ai au bout du compte, je vous le dis, c'est que vous prenez cette mesure pour ne pas en prendre d'autres qui sont nécessaires. Et ça, je crois que c'est un problème, parce qu'on ne peut pas en rester là sur la question de la régulation de l'installation. Très bien. Monsieur Didier Martin, oui ? Oui. Ce débat est effectivement très intéressant. Derrière régulation de l'installation, il faut bien entendre ce que les promoteurs du système ont en tête, c'est-à-dire le conventionnement sélectif et la coercition sur les étudiants en médecine. Et puisque le mot « danger » est utilisé, je le reprends. Oui, il y a un danger à ce que toutes ces contraintes pèsent sur le choix des étudiants en médecine et qu'ils ne s'orientent plus du tout vers la médecine générale, parce qu'on leur aura imposé trop de contraintes. Ayez ça en tête. Seulement moins de 10% des étudiants en médecine veulent faire de la médecine générale. Et ils veulent aussi une qualité de vie, bien sûr, mais il y a un véritable risque de voir demain disparaître les médecins généralistes dans nos territoires et partout. Donc il faut faire attention. Je ne crois pas au remède miracle sur le conventionnement sélectif. Je ne crois pas au remède unique. Et il faut effectivement que cette quatrième année, elle soit pédagogique, elle soit formatrice et qu'elle se déroule dans de bonnes conditions matérielles. Et là, effectivement, on aura des étudiants docteurs juniors, des étudiants en adjuvat avec une véritable responsabilité professionnelle pour rendre un service, parce que c'est une vocation, Monsieur Ruffin. Ce ne sont pas... Quand on fait médecine, on a un choix, on a une vocation. C'est-à-dire qu'aller à l'hôpital pour faire des gardes et faire tourner l'hôpital, en fin d'internat, faire tourner la médecine ambulatoire, c'est une vocation. Et il ne faut pas oublier cela. La motivation est essentielle. Alors, il faut défendre les conditions de travail de nos étudiants et de nos internes, mais n'oubliez pas cet élément fondamental qui est celui de la vocation. Très bien, monsieur le député. Monsieur Frappé. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais revenir un petit peu sur ce stage d'autonomie supervisée. Et tout est dit dans son nom. C'est une autonomie supervisée. Donc on ne peut pas laisser l'étudiant en médecine qui vient chez le MSU, le maître de stage universitaire, immédiatement en consultation seul. Il y a une progressivité de tout ça. Il y a d'abord une supervision
directe, le médecin est à côté, puis une supervision indirecte et enfin une autonomie. Donc ça nécessite de la part du maître de stage une présence et un travail supplémentaire. Ensuite, ce maître de stage, aujourd'hui, il en manque. Il en manque depuis des années. Donc, effectivement, le nombre de formations des étudiants au cours de ce stage d'autonomie supervisée, qui est différent d'un médecin collaborateur, ce stage d'autonomie risque de ne pas trouver de lieu de chute pour aller faire ce stage. Enfin, la troisième chose, on est en zone sous-dotée. Donc, là, par définition même, les médecins sont peu nombreux dans ces zones-là. Alors, il y a déjà un manque de médecins universitaires, maîtres de stage universitaires. En plus, en zone sous-dotée, ben, il y en aura encore moins. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on réussisse à faire aller en zone sous-dotée un nombre important d'étudiants en quatrième année de stage de formation ambulatoire. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur Monnet ? Merci, madame la présidente. Oui, je réagis par rapport au... On a ce débat avec le collègue Didier Martin. Dire que les jeunes médecins ne voudraient plus venir dans des zones tendues, mais enfin, écoutez, chers collègues, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que dans votre système actuel qui est entretenu, c'est déjà le cas. On a déjà un certain nombre de médecins qui ne viennent plus sur nos territoires. Je fais quand même deux remarques sur la question de la contrainte à l'installation, qui est une vraie question. Aujourd'hui, les vieux médecins nous disent « il nous faut des jeunes médecins qui s'installent parce qu'on ne peut pas partir en retraite ». Donc la contrainte, elle n'est pas rejetée par la profession, par toute la profession. Les vieux médecins nous disent « on a besoin de renouvellement sur nos territoires parce qu'on a besoin de partir en retraite ». Et les jeunes médecins nous disent « on a besoin de collègues qui viennent s'installer parce que nous, on ne fera pas 70 heures par semaine ». Donc la question de la contrainte à l'installation n'est pas nécessairement rejetée par toute la profession. C'est une erreur de le penser. Et donc je pense que penser la contrainte, c'est penser aménagement du territoire en matière de santé. Parce qu'on est au-devant d'un scandale médical où les gens ne peuvent déjà plus soigner sur un certain nombre de territoires. Et la question de la contrainte, il faut l'aborder avec calme, avec lucidité, sans forcément trop se passionner, même si on est tous sollicités par les populations sur l'absence de médecine de ville dans nos territoires. Mais il ne faut pas l'écarter, cette question, parce qu'elle n'est pas rejetée par la profession. Très bien. Monsieur Allauzé ? Oui, merci, madame la présidente. Deux remarques sur cette disposition de la quatrième année. Déjà, il faut bien comprendre que ce n'est pas la mesure universelle qui va tout régler. C'est une mesure parmi beaucoup d'autres dont nous aurons encore à discuter. Donc ne simplifions pas trop les choses. La deuxième, c'est qu'il y a sans doute encore beaucoup d'espace de discussion sur cette mesure. Les choses ne sont pas totalement abouties. Et c'est l'intérêt de cette discussion, c'est de voir les conditions d'exercice, d'encadrement, des stages. Quand on propose de supprimer cette mesure au seul motif que, pour certains, il n'y a qu'à mettre le conventionnement sélectif et c'est réglé tout le reste à la poubelle, c'est une vision un peu limitée et extrêmement risquée et sans doute peu efficace. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que quand on a 27, 28, 29 ans, 30 ans, c'est pas la même chose que quand on a 23 ou 24 ans, qu'on est infirmière ou dans une autre discipline. Mais c'est pas là-dessus surtout que je vais intervenir. C'est que les médecins, contrairement à ces autres professions réglementées, ont beaucoup d'opportunités pour faire autre chose. Il y a tellement de demandes dans la médecine salariée, la médecine scolaire, la médecine du travail, les médecins conseils, partir à l'étranger... À tel point que non seulement, ce que disait Martin, seulement 10% des médecins s'orientent vers la médecine générale, mais dans ceux-là, seulement 10% s'installent à la fin de leurs études. Donc, si on accumule les contraintes avec les échappatoires, qui sont nombreuses possibles, on va à la catastrophe. Donc, ne faites pas, chers collègues, que vous défendiez cette mesure. Je peux le comprendre, ne faites pas de cette mesure la mesure universelle qui va régler tous les problèmes. C'est pas vrai. On se raconte des histoires, c'est peut-être la plus médiatique, c'est peut-être celle qui touche le plus nos concitoyens. Mais franchement, ce n'est pas la meilleure façon de régler le problème. Très bien. Monsieur Philippe Juvin. Merci beaucoup, madame la présidente. Sur la question de la contrainte qui, entre parenthèses, ne concerne pas l'amendement que nous discutons, mais puisque c'est le débat. Sur la question de la contrainte, il ne faut pas se raconter d'histoire, compte tenu de la pénurie générale que rencontre la médecine, l'exercice de la médecine en France, que ça soit en exercice ambulatoire, que ce soit en établissement de santé, la pénurie est générale. Tous les établissements cherchent des médecins. Donc si demain,
Par exemple, nous mettions en place un conventionnement sélectif pour soi-disant réguler l'installation des médecins. Mais la conséquence serait immédiate. C'est que là où les médecins ne voudront pas aller, ils n'iront pas, puisqu'ils ont le choix d'aller ailleurs. Bien, ils iront dans un établissement, ils iront en EHPAD, ils iront en PMI, ils iront à l'hôpital. Moi, je ne connais pas un seul hôpital en France qui ait le plein de médecins. Pas un. Donc, ne me parlez pas de zones surdotées et sous-dotées. Il n'y a pas un hôpital en France qui a le plein de médecins. Donc, par définition, il leur suffira de taper à la porte de n'importe quel hôpital et ils seront embauchés. Donc, la contrainte qui consiste à dire « on va vous empêcher de vous installer quelque part et vous allez voir ce que vous allez voir », ça ne marchera pas. Et enfin, dernier point, la quatrième année dont nous parlons aujourd'hui, elle a cette vertu considérable de, par définition, envoyer une génération entière de médecins tous les ans, pratiquer la médecine dans les zones que nous aurons décidées. Et donc, à vous qui parlez de contraintes, c'est une sorte de contrainte, mais qui est transitoire, qui dure un an. C'est une forme de régulation, qui est en plus une forme de formation. Bref, dans un système imparfait, c'est une mesure certes imparfaite, mais qui répond à un certain nombre d'intérêts, à la fois pour l'étudiant, qui est mieux formé, et à la fois pour le système, qui disposera ainsi de médecins. Très bien. Bon, je prends deux autres personnes qui interviennent, et ensuite on passe au vote. Madame Iborra, et ensuite Monsieur Vigier. Micro, je vous le donne. Allez-y, Madame la députée. Allez-y, appuyez. Pour ceux qui pensent que le déconventionnement ou le conventionnement sélectif est la solution, est-ce qu'ils ont pensé aux malades ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où un médecin sera déconventionné, le malade ne sera pas remboursé. Et donc, moi je veux bien qu'il y ait des ayatollahs là qui veuillent punir parce qu'ils ne pensent qu'à ça. Donc, moi, je pense aux malades. Je pense aux médecins, mais je pense aux malades. Chut, s'il vous plaît, donc, mes chers collègues. Et donc, le débat est intéressant. J'aimerais qu'on me réponde, en effet, qu'en pense-t-il ? Est-ce qu'il pense que les malades on continuera à les rembourser ? Je pense que non. Est-ce que vous pensez que les malades choisiront d'autres médecins ? Ils n'auront pas le choix. Donc, j'aimerais bien avoir une réponse sur ma question. Très bien. Monsieur, alors j'ai de nouveau un nouveau tour de table. Non, je ne redonne pas la parole aux personnes qui se sont exprimées. Monsieur, il y a plein d'amendements sur... Vous allez encore faire... Alors, je sais qu'il y en a qui ont l'art de la redondance, de la paraphrase, etc. Mais il faut qu'on avance, mes chers collègues. Mais le débat, au demeurant, est super intéressant. Je suis d'accord, mais évitez effectivement la redondance. Et il y aura la séance en plus. Alors, je vais vous dire, laissez-en un peu pour la séance. Alors, Monsieur Vigier, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Déjà, il y a une chose qui n'a pas été dite, c'est qu'en médecine, on était médecin généraliste au bout de 7 ans. On est passé à 9 ans et on va arriver à 10 ans. Est-ce que vous connaissez un autre métier dans lequel on a augmenté la durée de formation comme ça ? Je serais curieux que l'on regarde. Non, mais Juvin ne peut pas dire le contraire, c'est la vérité. Parce que lui, il a fait 7 ans et était médecin. Et après, oui, enfin, généraliste, je précise. On écoute, monsieur le député, mais s'il vous plaît. J'ai dit généraliste, et je confirme, c'était 7 ans. Il en est passé à 9 et à 10. Donc, naturellement, la pénurie que nous connaissons, elle a été accélérée par ce phénomène. Pas la peine d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que, manifestement, c'est un sujet. Mais la deuxième question, et c'est là où... Dans cet article, les choses ne sont pas bien ficelées. C'est que la fameuse 10e année, d'ailleurs, personne n'a relevé tout à l'heure, c'est le problème de la rémunération et des maîtres de stage. Et Thomas Meigny a raison. Tant que vous aurez des maîtres de stage aussi peu rémunérés qu'ils sont, avec les contraintes... Est-ce que quelqu'un est allé derrière un généraliste voir comment monter un dossier de maître de stage ? Je vous invite à le faire. Je vous invite à aller faire l'exercice et vous verrez que c'est très bien. C'est un peu comme les déclarations PAC pour ceux qui connaissent le domaine de l'agriculture. C'est à peu près de ce niveau-là. Donc le problème des maîtres de stage, un, c'est un problème de rémunération, donc il faudrait qu'on ait un appel d'air considérable. Et la deuxième, c'est la proposition que j'ai faite, pardonnez-moi, mais si vous ne créez pas une attractivité financière pour ces internes qui feront une 10e année de formation et
Manifestement, ils exerceront leur profession, parce qu'on ne va pas se raconter l'histoire. Ne me dites pas que les internes, à l'hôpital, ils ont toujours quelqu'un qui les surveille par-dessus l'épaule. Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas la vraie vie des hôpitaux. Donc, rémunérons-les. Et je repropose ce que j'ai dit tout à l'heure. Rémunération comme médecin adjoint, ça existe. Comment ça marche? Ils perçoivent naturellement les actes qu'ils ont pratiqués. Très bien. Monsieur Garot. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais juste témoigner de la réalité que vivent des millions de Français, 8 millions de Français qui n'ont pas accès à... ou qui ont des difficultés d'accès à un médecin, et 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Vous savez tous ce que ça veut dire, en tout cas une grande partie d'entre nous ici. Ça veut dire que le médecin part à la retraite et il n'est pas remplacé. Et c'est vécu comme une injustice extrêmement forte, parce que souvent, on nous le dit... lorsqu'on va dans certaines villes côtières du littoral, on n'a aucune difficulté pour trouver un médecin généraliste ou un spécialiste. Donc la surdensité, ça existe. Et la sous-densité, c'est aussi une réalité. Je réponds cela à monsieur Juvin. Et d'ailleurs, les chiffres nous le montrent de façon assez nette. Il y a 3 fois plus de généralistes aujourd'hui dans les Hautes-Alpes qu'il n'y en a en Eure-et-Loire, chez Philippe. Voilà. Il y a 17 fois plus de dermatos à Paris qu'il n'y en a dans la Creuse. Il y a 18 fois plus d'ophtalmos à Paris qu'il n'y en a dans l'Ariège. C'est ça, la réalité. Donc on a cette question-là à traiter parce qu'on a devant nous une urgence. Une urgence. Dans la mesure où on sait que le creux de la démographie médicale, il est devant nous. Et il est à l'horizon 2030. Donc c'est à cette réalité-là qu'il faut répondre. Moi, je suis un partisan avec beaucoup d'autres ici, d'ailleurs. Nous avons formé un groupe de travail transpartisan d'une nouvelle régulation pour l'exercice et l'installation de nos médecins, pour que chaque Français, chaque habitant de France puisse avoir accès aux soins près de chez lui. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas non plus qu'il n'y a qu'une seule solution. Mais je vois une chose. C'est que toutes les politiques d'incitation qui ont été menées depuis des années, depuis 5, 10, 20 ans, n'ont pas produit les résultats qu'on attendait. Alors ça vaut le coup d'essayer la régulation. Moi, je plaide pour le conventionnement sélectif. On y reviendra sans doute un peu plus tard dans le débat. Mais ce que je veux dire, voilà, je termine, c'est qu'il ne faut exclure aucune solution a priori et qu'on a besoin maintenant d'avancer et de redonner de l'espoir à des patients qui n'ont plus de médecin. Très bien. Madame Rousseau ? Non, c'est très bon. Monsieur Colombani ? Alors, j'ai entendu mon collègue parler de la répartition. Les jeunes ne sont pas responsables de cette répartition. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché pour s'installer, entre guillemets, ne sont pas responsables des années d'errance précédentes. Et on ne peut pas leur faire payer la note à eux. Je veux dire, dans cette assemblée, on a voté le numerus clausus, qui était pour faire des économies. Derrière, il y a un peu moins de temps, on a voté aussi le MICA. Le MICA, il y a quelques années, on payait les médecins à 55 ans pour partir à la retraite. Et aujourd'hui, certains de ces médecins pourraient nous rendre service encore aujourd'hui. Donc, voilà, attention à la fausse bonne mesure. Moi, simplement, ce que je veux dire à ce stade-là, c'est attention à la fausse bonne mesure qui vient aggraver les situations compliquées. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut se priver de rien, qu'il faut discuter de tout, mais attention à la fausse bonne mesure. Très bien. Allez, nous passons au vote cette fois-ci. Je mets aux voix cet amendement 1125 qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, monsieur Didier Martin. Merci, madame la présidente. Les conditions d'accueil et de vie de ces internes en quatrième année dans les territoires, en particulier lorsqu'ils sont sous-dotés, ce sera fondamental pour la qualité de leur exercice et pour la qualité de la prestation de médecine ambulatoire qu'ils pourront fournir. C'est une année qui sera formatrice. Elle doit être épaulée par des confrères seniors, à distance et aussi en proximité dans le bassin de vie, c'est l'expression que j'ai prise. Dans ce bassin de vie où des situations d'urgence ou de semi-urgence peuvent se poser, où il est bon de connaître le réseau des soins, et on ne fait pas de la médecine générale sans un environnement de qualité,
avec d'autres professionnels de santé, avec des examens accessibles de biologie, de radiologie, avec l'accès facile à un second recours, un avis spécialisé. Bref, être épaulé par un praticien situé dans le bassin de vie, en dehors, bien sûr, de l'accompagnement hebdomadaire à distance par un universitaire, voilà une proposition qui semble aller dans le sens d'une bonne acceptation de la mesure par nos internes. Très bien. Monsieur Pierre Dharréville. Oui, l'avis avant. Alors, je comprends l'objectif et ce que vous voulez dire par cet amendement. Donc, j'émettrai un avis de sagesse parce que la réserve et que le terme bassin de vie est un terme peu juridique. Mais comme je comprends l'intention, je vais dire sagesse. Très bien. Très bien. Monsieur Dharréville. Oui, merci, Madame la Présidente. Je comprends le souhait de notre collègue Martin pour que cette formation ait quelques effets parmi les effets escomptés. Je voudrais juste noter au passage qu'un des arguments qui nous a souvent été opposé contre le conventionnement sélectif, c'est que selon un certain nombre de nos collègues ou de ministres, il n'existait pas de zone surdense. Il n'y avait pas de sujet. Il y avait, voilà. Donc là, je pense qu'on avance dans le débat parce qu'on est en train d'acter le fait qu'il y a effectivement des zones qui sont surdotées et d'autres qui sont sous-dotées, surdenses, sous-denses, comme vous voulez. Donc je pense que ça ouvre la voie à ce que nous prenions de véritables mesures, parce que celle-là ne résoudra rien. Très bien. Monsieur Ruffin. Oui, merci, Madame la Présidente. On écoute, monsieur le député. Quand une personne veut aller voir un médecin, qu'elle se sent en souffrance et qu'elle ne parvient pas à l'atteindre, à avoir un rendez-vous, qu'on lui dit que c'est dans une semaine, 15 jours, un mois, enfin que ça traîne, il est évident que, concrètement, c'est un éloignement de la République jusque dans le corps des gens. Donc là, il y a un souci à affronter ça en urgence. Maintenant, je trouve qu'il y a plein d'ambiguïtés sur l'idée de rajouter cette quatrième année. Est-ce qu'on le fait par nécessité pédagogique ? Parce que c'est comme ça que ça nous est présenté avec cet habillage. Mais c'est un costume, c'est un déguisement. Et plus on avance dans le débat, plus on voit qu'en vérité, il y a une visée purement fonctionnaliste, c'est-à-dire il y a des trous, comment on va envoyer une main-d'œuvre contrainte à aller sur ces territoires-là. Et non pas de manière organisée, franchement pensée par la démocratie, en se disant, ben voilà, quel doit être le fonctionnement de la médecine généraliste dans notre pays, mais juste en se disant, c'est une contrainte qu'on va faire peser sur la jeunesse qui rentre dans ce métier. Si on veut un service civique pour tous les jeunes dans le pays, mais qu'on le dise et qu'on le fasse, mais pourquoi ça serait réservé, là, aux étudiants en médecine, dont on a déjà dit qu'il y avait un allongement de 7 à 9 ans de la durée des études et que maintenant, on va vers la 10e année. Et je rebondis sur ce qui a été dit par M. Isaac Sibille, il me semble, tout à l'heure, qui disait « Mais oui, mais faire tourner l'hôpital, c'est une vocation ». Mais c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. C'est vous qui l'avez dit ? Non, bon, excusez-moi. Bon, enfin, ça a été dit ici. C'est une vocation pour les étudiants. Mais justement, c'est tout le problème qu'on a. Il y a des tas de personnes, qui soient infirmiers, qui soient aides-soignants, à tous les niveaux dans l'hôpital et ailleurs dans la société, dans l'enseignement, même dans la logistique. On a des tas de gens qui font ces métiers-là par vocation. Et tout le problème aujourd'hui, c'est qu'on procède, en particulier à l'hôpital, avec les questions d'hiérarchie, mais avec les questions d'horaire, avec les questions de salaire, à une usure des vocations. Donc comment on fait pour ne pas user les vocations et comment on fait pour ne pas user les vocations dès leur entrée à l'hôpital comme interne côté médecin, mais aussi comme infirmier aide-soignant qui fait qu'au bout de 3 à 5 ans, on a juste envie de sortir de là et de chercher une porte de sortie ailleurs. Très bien. Madame Monique Iborra. Oui, moi je voulais dire que les deux amendements de Didier Martin, celui qu'on vient de voir et celui qui va venir, sont pris par notre groupe. Pourquoi ? Parce qu'en effet, on peut voir cette quatrième année d'une manière très négative, comme ça a été, comme ça vient d'être décrite. Et on peut la voir autrement. On peut la voir sur le plan pédagogique. Oui, oui. À partir du moment où les étudiants ont un stage à l'hôpital, il faudrait qu'ils aient un stage en médecine générale. Et pourquoi ? Pourquoi dans les zones dites sous-denses ? Parce que même, de toute façon, ont besoin de voir ce qu'est une région sous-dense,
on a interrogé des étudiants qui pensent qu'à partir du moment où c'est sous-dense, eh bien, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a rien. Or, on sait bien maintenant qu'il y a des zones sous-denses qui sont aussi des zones urbaines. Et que donc, l'image qu'ils ont de sous-dense, eh bien, il faut qu'ils aillent voir de quoi on parle. Et donc, dernier élément, ces jeunes ont besoin, parce qu'ils nous l'ont dit, ils ont besoin aussi de savoir comment on s'installe, quel est le coût de l'installation, comment ça peut se passer. Et tout ça, c'est formateur. Alors, on peut voir des choses d'une manière complètement négative, comme on peut les voir aussi un peu plus positivement. C'est la raison pour laquelle le groupe a pris les deux amendements de M. Martin. Très bien. M. Juvin ? Madame la Présidente, merci. La notion de bassin de vie est un peu vague, mais je pense que cet amendement a quand même le mérite d'apporter un peu de souplesse à la définition de l'encadrement. Donc je pense que c'est un amendement qu'il faut soutenir. Très bien, monsieur le député. Monsieur Monnet ? Merci, madame la Présidente. Sur le fait d'inciter des étudiants à venir sur des territoires tendus, l'idée est plutôt intéressante, parce que je pense qu'effectivement, on a un certain nombre de représentations de nos territoires. Quand j'écoute dire qu'il n'y a rien sur certains territoires, ce n'est pas vrai. Il y a des choses, il y a des choses qui se font, et parfois la découverte de ce territoire peut favoriser les installations. Mais juste une remarque sur la question du conventionnement sélectif, parce que j'ai écouté beaucoup de choses. Le conventionnement sélectif n'est pas une mesure coercitive. Le principe du conventionnement sélectif, c'est simplement de dire la solidarité nationale intervient là où il y a besoin. Et là où il n'y a pas besoin, elle n'a pas à intervenir. Donc de dire on ne conventionne pas un médecin sur un territoire où il y en a déjà beaucoup, c'est plutôt une rigueur budgétaire, j'ai envie de dire. C'est plutôt une preuve de bonne gestion de l'argent public. Mais le médecin peut s'installer s'il le souhaite. Et de toute façon, les patients ne seront pas contraints puisqu'il y a déjà suffisamment de médecins. Grosso modo, le conventionnement sélectif, c'est juste ne pas arroser où c'est déjà mouillé. Très bien. Monsieur Neuder. Oui, je voudrais revenir effectivement sur cette notion de bassin de vie, de territoire. On peut définir différents termes. Je pense qu'à l'heure où on évoque aussi beaucoup de sujets de décentralisation, ça a été fait, ça a été annoncé. Je pense que la question de la santé sur la décentralisation se posera. Des bassins de vie qui existent très clairement suite au schéma de coopération intercommunale sont les EPCI. Donc il y a peut-être une relation parce qu'on voit bien que, à mon avis, ces compétences vont dépasser l'échelon des communes dans les zones notamment plus rurales, et que c'est à l'échelon de l'intercommunalité que les choses vont se décider. Donc moi, je serais plutôt favorable que ces bassins de vie soient à l'échelon d'une intercommunalité. Et ensuite, sur le bassin de vie, qu'est-ce qui fait qu'il y a des maîtres de stage dans le bassin de vie ou pas? Je reviens sur ce qu'a dit le député Vigier. Je pense que quand un médecin généraliste fait déjà 50 consultations par jour, il n'a pas le temps de faire la formation, les démarches, que rien n'est fait non plus pour faciliter le fait qu'il devienne maître de stage. Donc je pense qu'une des mesures simples, peu onéreuses, qui peut susciter qu'il y ait davantage de maîtres de stage, c'est de pouvoir faciliter les démarches. Et je pense notamment qu'au niveau des facultés de médecine, il y a un vrai sujet à travailler avec les professeurs de médecine générale qui doivent quand même comprendre que tout ça ne doit pas rester hospitalo-centré, et c'est un hospitalier qui vous le dit, pour pouvoir permettre que tout ça aille vers les territoires, parce que des généralistes qui sont déjà au bord de l'étouffement, leur demander de faire des dossiers pour prendre des maîtres de stage, pour devenir maître de stage, ce n'est malheureusement pas la réalité des choses. Très bien. Monsieur Cyril Isaac-Sibyl. Merci, madame la présidente. Tout d'abord, je voudrais rappeler à tous qu'il faut qu'on soit modeste. Dans le sens où le débat qu'on a ce matin, il est la conséquence des errances politiques que la droite et la gauche ont eues depuis 30 ans. Donc soyons modestes, et si jamais effectivement il existait une solution, on la connaîtrait. Et la seule chose qui a changé, et on ne peut que s'en féliciter, c'est qu'il y a encore 5 ans, hein, la santé était considérée comme un coût. Et une dépense, maintenant, c'est considéré comme une nécessité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour répondre à certaines questions, je pense que cet article est intéressant dans le sens où il permet
aux jeunes médecins d'abord d'être confrontés à la médecine libérale, ces jeunes médecins, ces jeunes internes en quatrième année, d'être plus confrontés à la médecine libérale, de permettre de découvrir la médecine rurale, ou la médecine, faut pas l'oublier, la médecine difficile mais parfois passionnante des quartiers, hein, de nos métropoles, dans le sens où les déserts ne sont pas que dans la campagne. Et je pense que c'est une chance pour eux de pouvoir découvrir cette médecine pouvant être passionnante. Et je sais que ça se fait, et on en parlait tout à l'heure avec notre collègue Vigier, dans les territoires ruraux, mais pas suffisamment parce qu'effectivement, on manque de stages. Donc c'est bien de la développer. Maintenant, Madame la rapporteure générale, je crois que c'est important que vous puissiez nous donner des compléments d'information par rapport aux conditions d'exercice de ces internes en quatrième année. Dans le sens où c'est bien qu'ils découvrent, mais on aimerait savoir effectivement dans quelles conditions. Je le répète, effectivement, c'est souvent des médecins qui sont âgés, de 28 ans, de 30 ans, qui ont souvent un conjoint et des enfants, et on ne peut pas effectivement les transporter loin de chez eux sans avoir un soutien et financier et matériel concernant le logement et les transports. Merci. Très bien, Monsieur Meynier, et on passe au vote. Merci, oui, madame... après, bien sûr, monsieur. Merci, madame la présidente. Non, juste un mot. D'abord, pour me féliciter des propos de madame Iborra sur le conventionnement sélectif tout à l'heure. Et puis, pour rappeler aux collègues, je crois que c'était le collègue Monet de la NUPES, que son raisonnement sur les zones bien dotées ne tient que si on n'est pas en situation de pénurie globale en termes de démographie médicale. Et c'est le cas aujourd'hui. Quand on parle de zones surdotées, c'est en réalité un abus de langage. Il y a des zones sous-denses. Ça représente 87% du territoire national. Quand on dit zone surdense, c'est juste qu'on veut dire plus vite zone moins sous-dense. Et la difficulté, elle est là. Après, pour revenir sur l'efficacité du conventionnement sélectif, on y reviendra dans quelques amendements, mais je regrette que nous n'ayons pas été plus nombreux hier soir, au moment où je vous proposais un système concurrent pour éliminer le conventionnement sélectif dont le texte présent dans l'article 22 ouvre la voie, versus un régime d'autorisation qui, pour le coup, répondrait à votre objectif de régulation, mais sans en faire payer le prix aux patients. Très bien. Donc je passe la parole à monsieur Didier Martin, puis à madame la rapporteure, et nous votons. Monsieur Didier Martin. Merci, madame la présidente. Merci, madame la rapporteure générale, d'avoir émis un avis de sagesse. Derrière le terme de bassin de vie, on peut trouver des définitions statistiques, économiques, administratives. Moi, j'y vois une dimension aussi de proximité géographique et de proximité confraternelle. Il faut effectivement que ces docteurs juniors en quatrième année aient une démarche, je dirais, chaleureuse dans un territoire, accompagnée par les professionnels de santé locaux. Et je prendrai un terme un peu vieillot, celui de compagnonnage, qui s'applique dans cette profession comme dans d'autres, en rappelant aussi que deux choses sont importantes dans la vie, c'est apprendre et transmettre. Et quand on est un jeune médecin, eh bien, on va apprendre après ses études en rencontrant des patients et en les prenant en charge. Et quand on est un médecin plus senior, la satisfaction, c'est aussi de transmettre son expérience sur ce qui ne s'enseigne pas à la faculté ni n'est pas écrit dans les livres. Merci bien. Madame la rapporteure. Oui, merci. Pour répondre au collègue Cyril Isaac-Sibille, qui a plusieurs reprises a demandé comment la mise en place opérationnelle allait se faire de cette quatrième année. Je redis qu'il y a la création du comité interministériel dans lequel les représentants des étudiants sont présents et pour lesquels ils vont construire ensemble cette mise en place de cette quatrième année. Et d'autre part, je voudrais rappeler aux collègues Ruffin et Garot, tous ici, nous savons l'urgence à agir sur le sujet de l'accès aux soins. Tous les députés que nous sommes, de tous les bancs, ont dans leur permanence tous les jours des gens qui réclament d'avoir un médecin et qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont plus de médecin. Et je crois que nous devrions tous nous rassembler autour de mesures efficaces qui font parfois pas plaisir, mais dans les mesures efficaces, le déconventionnement n'en est pas une. Les études le montrent, les pays étrangers qui l'ont fait arrêtent. Donc, ne mentons pas aux concitoyens et soyons efficaces. Très bien. Je passe maintenant, je mets aux voix, pardon, cet amendement qui a reçu un avis de sagesse émanant de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Juste un petit rappel, mes chers collègues.
Ça fait 1h05 que nous discutons et nous avons passé 5 amendements. Il nous reste 387 amendements. Voilà. Donc, sur le sujet, on a beaucoup, beaucoup abordé. Donc, il reste encore des amendements. Le sujet est important, je le sais. Mais franchement, soyez concis. Sinon, je vais devoir faire un pour, un contre. Et là, du coup, je vais créer vraiment de la frustration. Mais on va avancer. Voilà. Très bien. Alors, je passe... Eh bien, monsieur Lozana, il est là? Non, il n'est pas là. Monsieur Garraud, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame la présidente. C'est un amendement qui... invite à flécher, en fait, cet exercice en quatrième année dans les zones sous-dotées, et pas simplement en priorité, de telle sorte qu'on réponde à l'urgence que nous avons tous en partage, je le reconnais, madame la rapporteure, mais pour lesquelles on doit trouver de vraies solutions. Donc, c'est un amendement qui est présenté par notre groupe de travail transpartisan. Merci, monsieur le député. Merci pour la... concision. Monsieur Guetsch ? Je serai tout aussi concis, madame la présidente, pour vous dire que cet amendement poursuit exactement le même objectif. L'ajout de ces deux mots en priorité répond précisément à l'urgence de la situation des déserts médicaux, et ce fléchage est destiné à rendre efficace face à cette urgence la situation. J'ajoute, madame la présidente, d'un seul mot. Vous comprenez, vous nous dites, on a beaucoup d'amendements, on en débat longuement ici, mais je crois qu'il faut bien entendre, c'est parce qu'on a tous sincèrement la crainte qu'on ne puisse pas avoir cette discussion dans quelques jours dans l'hémicycle. Et donc, c'est la raison pour laquelle, parce que nous voulons par sédimentation faire avancer un certain nombre de sujets, et nous voyons, et c'est une bonne nouvelle, nous voyons des bougées sur un certain nombre de sujets, on commence à avoir des positions des uns et des autres, sur le conventionnement sélectif, j'ai le souvenir d'une époque avec Philippe Vigier, on n'était pas si nombreux dans cette commission à défendre cette orientation. Et donc, c'est la raison pour laquelle le travail qu'on fait, il n'est pas pour allonger inutilement, il est pour gagner des cœurs et des esprits dans la perspective, sinon du débat dans l'hémicycle, du moins de l'avancée dans les prochains textes. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis sur ces deux amendements ? Je suis défavorable. Je crois qu'on a eu le débat avant pour justement envoyer les étudiants où il y a un encadrement, parce que cette quatrième année a une vocation pédagogique. Oui, monsieur Clouet. Merci, madame la présidente. Alors, moi, au début, je me suis demandé si j'allais voter ça, si j'allais vous faire confiance, parce que finalement, pourquoi pas ? Il faut toujours examiner sur le fond du texte. Et je me suis dit, regardons un petit peu le passé, le passif en matière de priorité, lorsque vous affichez des priorités. Et peut-être un très bon texte à cet égard, c'est le programme d'Emmanuel Macron en 2017 qui disait, qui formulait une série de priorités. Donc c'était intéressant peut-être de les confronter afin de savoir à quoi s'en tenir. Et j'avais vu dans ce programme, par exemple, qui était annoncé la rénovation en priorité d'un million de logements pour les plus modestes. Et je n'ai pas forcément vu cette priorité lorsqu'elle est formulée ainsi. Revenez, c'est la même chose. Revenez au sujet, monsieur. Ah ben, non, mais c'est exactement ça. La question est de savoir si on laisse les termes en priorité ou si jamais on n'a pas confiance lorsque vous affichez dans un texte une priorité. Et je pense qu'au vu des engagements antérieurs sur le logement, sur la fraude fiscale, sur les dépenses dans l'éducation, il est peut-être plus prudent d'enlever le terme en priorité afin de vous éviter de devoir ramer ultérieurement à justifier les motifs, trouver des raisons pour lesquelles vous n'auriez pas fait ce que vous aviez peut-être envisagé de faire. Très bien, très bien. Alors, j'ai vu une autre main levée. Non, très bien. Donc, je mets aux voix ces deux, l'amendement déjà 1155 qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. L'amendement de Monsieur Guedj qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Très bien. Deux amendements identiques. Monsieur Bazin, vous avez la parole. Oui, merci, madame la présidente. C'est un amendement de précision pour intégrer la prévention des maladies oculaires dans cette formation qui est prévue à cet article 23, sachant que la vision a été identifiée comme un des 5 risques avant-chuteurs, et ça permettrait peut-être d'éviter une des 130 000 hospitalisations. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis ? Il revient au comité interministériel dans lequel il y a des enseignants, des étudiants, pour définir le contenu pédagogique de cette quatrième année, donc défavorable. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, monsieur Rousset.
Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement de précision qui va permettre de préciser justement les conditions d'exercice de cette quatrième année. Vous avez bien compris que notre groupe est très favorable à cette nouvelle initiative, puisqu'elle va d'une part permettre de faire de la médecine générale une spécialité à plein temps, donc c'est très important de les reconnaître, et surtout elle va permettre, dès que celle sera mise en place, d'irriguer nos territoires en docteurs juniors qui exerceront pleinement, puisqu'ils seront thésés, leur activité médicale. Voilà. Ce qui revient à dire que ces nouveaux étudiants en médecine en fin de spécialité auront le choix du stage. Et pour ceux qui ont fait des études de médecine savent que le choix du stage est un peu contraignant, puisque quand un stage est choisi, il ne peut pas être choisi par un étudiant suivant. Le deuxième avantage que l'on voit, nous, dans cette création d'une quatrième année de spécialité en médecine générale, c'est qu'effectivement, dans les territoires qui vont en bénéficier, il y aura tous les ans des docteurs juniors qui exerceront leur spécialité. Ils seront renouvelés l'année suivante. Et sans être très optimistes, on peut imaginer que si l'un d'entre eux ou deux d'entre eux, dans certains territoires, restent, eh bien, ça sera un succès lié à cette mesure. Voilà. L'amendement que je présente et qui est soutenu par l'ensemble de notre groupe, c'est justement pour permettre de lever une certaine angoisse à ces futurs étudiants qui ont peut-être peur d'exercer de façon isolée leur métier, ce qui explique aussi peut-être le fait qu'ils ne s'installent jamais ou qu'ils prolongent très longtemps leur passage de leur soutenance de thèse. Et bien, c'est de leur dire, allez dans les CPTS, par exemple, aller travailler dans un groupe médical, ce qui vous permettra à la fois de bénéficier de l'expérience des autres et d'être bien encadré. Très bien, monsieur le député. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement ? Favorable. Monsieur Ruffin. Oui, il y a monsieur Ruffin, puis monsieur Bazin. Oui, moi, je pointe à nouveau l'ambiguïté. C'est-à-dire, là, vous avez un problème majeur. C'est, alors, on ne veut pas appeler ça désert médicaux, mais la réalité, c'est quand même ça. Une très grande difficulté d'accès aux soins dans des régions entières du territoire. Et vous nous dites là, on va faire un stage, il y aura des docteurs juniors, qu'ils aillent voir en zone sous-dense. Face à un problème majeur, au fond, on opère par un petit article dans le PLFSS du bricolage. Ce qu'on demanderait, c'est qu'il y ait des mesures de fond qui soient prises. Et moi, je serais moins choqué qu'on dise que ce sont pleinement des médecins qui, après leurs 9 années de médecine générale, ont une année obligatoire ou deux années obligatoires payées pleinement comme médecins fonctionnarisés dans ces zones sous-denses et avec une obligation de passage dans ces zones sous-denses, mais en étant correctement payés, en ayant des conditions de travail qui sont reconnues, plutôt que d'en faire une année supplémentaire de stage qui va être sous-payée. Et donc, voilà le saut qu'il y a à faire. C'est peut-être un corps de médecins d'État dans ces zones-là, de manière temporaire, par lequel il y a, qui serait... Là, c'est des stages. Mais non, ça ne doit pas être des stages. Ça doit être la possibilité d'être médecin avec un service rendu au public dans des zones où il y a des difficultés d'accès aux soins. Très bien. Monsieur Bazin ? Merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure générale, j'avoue, je ne comprends pas votre avis, parce que soit on laisse au comité interministériel le soin de faire le contenu, y compris sur la découverte, mais là, c'est un amendement. Objectivement, on se demande qu'est-ce qu'il a à faire dans un texte de loi de financement de la sécurité sociale. Enfin, objectivement, voilà. Ce qui m'inquiète beaucoup plus de cet amendement de la majorité, c'est l'exposé des motifs. De nous indiquer que ça va permettre de découvrir des CPTS, alors qu'on sait que c'est justement en zone sous-dense où on a des difficultés pour faire émerger des CPTS. Il y en a à certains endroits, c'est vrai, mais il y a d'autres endroits, parce que tous les territoires sont différents. On en a parlé déjà il y a un an, il y a deux ans, Madame la rapporteure générale. Dans votre département, c'est l'inverse du mien. Mais oui, dans votre département. Et ce n'est pas le cas dans d'autres départements. Et donc je pense qu'il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga, notamment pour les jeunes. Il y a des territoires où il n'y a pas forcément de CPTS, et pour autant, on a besoin de pouvoir les accueillir. Je pense que c'est un point très important. On était en désaccord il y a deux ans, et ça continue. Très bien. Monsieur Vigier. Oui, moi, je soutiendrai cet amendement. Je voudrais dire à Thibault Bazin que cette EPS, ça marche très bien. C'est des praticiens... Non, mais je peux terminer, je ne l'ai pas coupé.
34% du territoire français émaillé. S'il a une heure à perdre cet après-midi, ou plutôt très intéressante, eh bien, il pourra auditionner un président de CTPS où on fait même, en terrain de désert médical, 70 médecins pour 100 000 habitants, des soins non programmés. Ça veut dire que des patients qui n'ont pas de médecin, chaque jour de la semaine, vous entendez, chers collègues, chaque jour de la semaine, ils peuvent voir un médecin. 19 ont signé sur 23 présents sur un territoire de 45 000 habitants. Interrogeons-nous là-dessus. Simplement, il faut leur donner les moyens de fonctionner, c'est un autre sujet. Là, il faudrait que la CNAM soit un peu plus compréhensible avec ceux qui s'investissent dans les CTPS. Ce n'est pas le cas, je le regrette, et j'ai eu l'occasion de le dire au directeur général de la CNAM. Très bien. Monsieur Meynier. Oui, si je souscris en partie aux propos du collègue Bazin sur l'interrogation quant à inscrire cet alinéa dans l'article, en revanche, je suis absolument opposé à son propos sur la création de CPTS, dont on voit bien que la plupart du temps, elles émergent dans les territoires les plus sous-denses, parce que du fait des difficultés, les professionnels s'organisent pour faire émerger ces structures, et ce qui renforce leur attractivité. Et pour le coup, bien, dans quelques mois, je l'espère, nous aurons maillé l'ensemble du territoire en CPTS, mais surtout en partant des zones sous-denses. Et on peut le dire aussi, la pandémie a été un vecteur d'accélération incroyable du fait de la mise en relation des différents professionnels sur les phases de test, sur les phases de dépistage et de vaccination. Très bien, Madame Gruet. En effet, je rejoins ce que dit mon collègue Thibault Bazin. Il n'y a pas forcément de CPTS partout. Et là où il n'y en a pas, les médecins n'ont pas attendu un concept national pour s'organiser dans les territoires. Et je crois qu'il faut privilégier ces liens d'acteurs locaux qui savent s'organiser pour permettre un maillage territorial. Merci. Très bien. Madame Amiot, avant. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je suis très très inquiète à la lecture de cet amendement et de bien d'autres, puisque là, concrètement, au prétexte du PLFSS, nous nous immisçons dans le contenu pédagogique des études de médecine. À quel titre, ici, tous, pouvons-nous nous immiscer dans le programme scolaire des études de médecine? Si demain on venait vous dire que on manque de carrossiers dans la Creuse, est-ce que vous rallongeriez de 6 mois la formation des carrossiers dans la Creuse pour leur imposer d'aller faire un stage dans la Creuse? Aucunement, évidemment. Et là, effectivement, dans le cadre de ce PLFSS, il n'est absolument pas... j'espère que je ne suis pas la seule à m'en rendre compte, c'est que le PLFSS n'est absolument pas l'endroit de discuter du contenu pédagogique des études de médecine. J'entends parfaitement et je soutiens le fait qu'on ait besoin de médecins et qu'il faut mieux les répartir. Par contre, on a besoin de médecins déjà, pas d'étudiants, de médecins. Il ne faut pas oublier, j'entendais parler de jeunes. Ce ne sont plus des jeunes au sens où ils sortent des études, ils viennent d'avoir leur bac. Non, ce sont des gens, des trentenaires qui sont parents, qui sont conjoints et à qui on va imposer de se déplacer à l'autre bout de la France pour des stages pour lesquels ils n'auront pas de logement, pour lesquels ils vont être sous-payés. Enfin, concrètement, entendons bien ce que nous sommes en train de faire. On s'immisce pour des raisons sociales et économiques, on s'immisce dans les études de médecine. Je pense vraiment, mes chers collègues, qu'on se trompe d'endroit, qu'on se trompe de débat. Ce n'est pas à nous de faire ça. Je pense qu'il y a d'autres façons de répartir les médecins à travers le pays et qu'à l'intérieur du PLFSS, ce n'est pas la place. Très bien, très bien. Donc, je reprends 2 personnes et ensuite, je donne la parole à M. Rousset et à la rapporteure et on passe au vote. Donc, la parole est à M. Neudert, ensuite à Mme Iborra et je passe la parole ensuite à Jean-François Rousset. Merci Madame la Présidente. Sur les CPTS, attention quand même de faire attention sur le nombre. Numériquement, vous l'avez dit, il y a à peu près 33%. Il y a des CPTS. Ce que je voudrais simplement attirer, c'est sur la qualité de ces CPTS, pas sur la qualité des professionnels de santé, mais leur composition. On a beaucoup de CPTS où malheureusement, c'est des professionnels paramédicaux. Tant mieux, et cette coordination entre eux fonctionne. Mais parfois, ce qui manque, c'est le prescripteur.
prescripteur. Et je pense que le prescripteur est quand même, c'est lui qui ordonne toute la chaîne, puisque sans prescripteur, on n'a pas d'actes paramédicaux, on n'a pas de fonctionnement des pharmacies. Donc je pense qu'il faut travailler sur deux sujets, et je vois que M. Vigier a les mêmes préoccupations, c'est l'attractivité des CPTS. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué de partir de zéro, et quand il y a quelque chose qui existe, quand déjà il y a des consultations d'urgence non programmées qui sont mises en place, qu'on a la chance d'avoir un petit laboratoire de biologie à côté de proximité, je pense qu'il faudrait qu'on ait des aides des agences régionales de santé pour fortifier ce système quand on a besoin d'éléments de radiologie, pour que ces CPTS soient le plus complet possible avec des professionnels de santé qui ont décidé de s'organiser, un minimum de biologie, un minimum de radiologie, parce que quand on a ces arguments-là, eh bien déjà, on évite beaucoup de recours aux urgences, et je pense que la valorisation par la CNAM de cette volonté des acteurs de territoire médicaux et paramédicaux est vraiment pas à la hauteur, et qu'on devrait envisager une rémunération de ceux qui passent beaucoup de temps, en dehors de leur temps de consultation, à coordonner les soins sur un territoire. Très bien, Madame Iborra. Oui, par rapport à la coordination, il y a déjà un coordonnateur. Par rapport à la coordination, il y a déjà un coordonnateur qui est pas mal payé par les ARS. Et il y a pour fonctionner, je vous assure, vous pouvez vous pencher là-dessus, il y a un forfait des ARS qui est confortable et qui satisfait tout à fait le coordonnateur. Et oui, parce qu'il faut rentrer dans les détails. Ce que je veux dire par là, c'est que, en plus, l'amendement ne prévoit pas une obligation de passer par les CPTS. C'est simplement une information quand ça existe. Et moi, je peux vous dire que dans ma circonscription, j'en ai deux, et que les actions qu'ils font, les actions de prévention en particulier, eh bien, font que c'est un exercice médical qui peut intéresser les jeunes, parce qu'ils ne voient pas ça à l'hôpital, et là, ils ont finalement une formation complémentaire qui est tout à fait utile. Très bien. Monsieur Rousset ? Oui. Donc, qu'est-ce que nous essayons de faire en proposant ces amendements ? C'est de préciser les conditions d'exercice dans cette quatrième année de spécialité. C'est de faciliter et d'inciter les médecins à y aller. Voilà. Donc, cet amendement sera sans doute suivi d'autres, comme peut-être l'idée d'un guichet unique, etc. Pour ce qui concerne les PTS, moi, je suis élu de l'Aveyron. Le département est entièrement couvert ou va l'être très prochainement. Et c'est vraiment un moyen de coordonner l'exercice de la médecine générale. Et cet amendement n'est pas exclusif. Bien entendu, toutes les solutions pour favoriser l'application de cette quatrième année seront les bienvenues. Très bien. Madame la rapporteure. Oui, juste pour dire à M. Bazin qu'il a raison, le territoire n'est pas encore couvert à 100% par des CPTS. Là où il me paraît important d'insister, je suis une grande défenseuse des CPTS, parce que dans ma région Centre-Val-de-Loire, qui est la région la plus sous-dotée en médecins, le territoire est couvert de 100% de CPTS. Donc on y arrive parce que, comme l'a dit Thomas Meynier, la nécessité entraîne cette mobilisation des professionnels. Mais nous devons tous encourager ça, parce qu'on parlait de mesures efficaces tout à l'heure, c'en est une. Là où il y a des CPTS, on arrive à avoir maintenant des rendez-vous dans les 48 heures pour les gens qui n'ont pas de médecin. Même chez moi, où il n'y a pas assez de médecins. Donc, ce sont des solutions mises en place et sur les territoires par les professionnels que nous devons encourager. Donc, je suis d'accord avec vous, il n'y en a pas partout. Mais vraiment, nous devons mobiliser et être en faveur de ces CPTS. Très bien. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant, Madame Rousseau. Pardon. L'amendement suivant, excusez-moi pour le retard, a été travaillé avec la Ligue contre le cancer et vise à intégrer la gestion de la douleur et la formation de la douleur dans la dernière année de médecine, puisqu'en fait, il s'agit d'un problème récurrent et notamment en cas de cancer. Et donc, voilà, ça fait partie des soutiens que nous voudrions faire à cette ligue qui rend un service incroyable. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement ?
Alors, je suis plutôt d'accord avec votre collègue Madame Amiot, Madame Rousseau, pour dire qu'il ne faut pas implémenter le contenu pédagogique, ce qui n'était pas le cas de l'amendement précédent. Donc je suis défavorable. Très bien. Madame Gruet ? Oui, non, je rejoins ce que dit Madame la rapporteure, qu'au sein du même groupe, on n'a a priori pas la même vision du rôle de ce PLFSS. Très bien. Donc je mets aux voix cette... Madame Rousseau, vous souhaiteriez intervenir ? Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Didier Martin. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement souligne l'importance du décret qui fixera les conditions pratiques d'organisation du stage de quatrième année. Il faut effectivement qu'elles soient les meilleures possibles pour que cette expérience soit réussie et qu'elle ouvre la voie vers une possible installation, y compris dans ce même territoire. Il s'agit de conditions matérielles très, très simples et très basiques concernant les déplacements, les transports, l'accueil sur place avec le logement. Et il s'agit aussi de faire en sorte que ces conditions matérielles soient un véritable tremplin vers l'exercice professionnel à venir, et qu'elles réunissent par exemple deux ou trois stagiaires, trois internes, docteurs juniors, pour effectivement se serrer un peu les coudes, partager cette expérience dans un territoire, et que bien sûr la rémunération soit à la hauteur. Je dirais dans le même sens que notre collègue Vigier sur l'ouverture à un paiement à l'acte dans des conditions qu'il faut définir, que ce soit à côté par l'intermédiaire de l'adjuva ou par une autre formule, mais il faut que ces médecins, qui seront de vrais médecins, complètement des médecins, à condition bien sûr qu'ils aient pu être thésés au cours de leur troisième année, et cela pose une petite difficulté, parce que nous manquons d'universitaires en médecine générale, nous manquons de maîtres de stage qui suffisamment rémunérés et qui pourront dans leur emploi du temps parfois surchargé trouver le créneau pour effectivement débriefer jour par jour avec ces médecins juniors, de façon à ce qu'ils se sentent non pas seuls à affronter la situation, mais bien dans un contexte à la fois matériel et professionnel le plus favorable possible. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement ? C'est un avis favorable, puisque ce décret interviendra après la concertation dans le cadre du comité interministériel. C'est important de rappeler que cette concertation a lieu et va permettre d'écrire le décret après. Très bien. Monsieur Juvin. Pour apporter une précision à l'intervention précédente, Madame la Présidente, par définition, dans cette année de consolidation, c'est comme ça qu'on dit, dans toutes les autres spécialités, donc ça sera le cas pour la médecine générale, les médecins qui entrent dans cette dernière année doivent être thésés. Très bien. Monsieur Neuder. Et en complément aussi de l'intervention précédente, effectivement, on manque de PUPH de médecine générale, et je crois qu'il y a déjà un dispositif qui existe, qui sont les maisons médicales de territoire, mais les maisons médicales universitaires de territoire. Et là, on se trouve devant une difficulté d'enveloppe budgétaire, puisque ces postes universitaires dans les maisons médicales doivent être donc financés par nos facultés de médecine et donc par le ministère enseignement sup, recherche, innovation, et que bien souvent, malgré que nous ayons les profils de postes de ces jeunes assistants qui veulent devenir PUPH de médecine générale, nous n'avons pas les budgets dans les facultés de médecine pour pouvoir les mettre sur le territoire, parce qu'ils font 50% de leur temps sur la formation. Et si on veut une réforme du cycle 2 pour pouvoir mettre nos étudiants en médecine plus jeunes, nos externes de médecine dès la 3-4e année dans les maisons médicales de territoire, et si on veut qu'ils puissent avoir une formation, il faut que les facultés de médecine nous libèrent les postes d'assistants chefs de clinique dans les territoires, et que tout ne soit pas hospitalo-centré. Encore une fois, c'est un hospitalier qui le dit, et il y a un texte sur les maisons médicales universitaires qui n'est pas appliqué, alors qu'on aurait des volontaires, mais nous n'avons pas les budgets. Très bien. Monsieur Vigier. Tout à fait d'accord avec le collègue sur les maisons médicales universitaires. Et au travers de cette création des quatrièmes années, non pas de jeunes internes, mais attention aux mots qu'on va employer. La connotation péjorative, docteur junior. Vous êtes polytechnicien, on dit vous êtes ingénieur junior. Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup qui signent des contrats ? Je suis ingénieur junior. Non, les médecins sont formés.
ne va pas se raconter d'histoire, Juvin, c'est comme ça que ça se passe. Ils sont à Bac plus 10, me semble-t-il. Mais non, mais je vois, ils haussent les sourcils, c'est pour ça que je me permets de l'interpeller. Et il me semble quand même que c'est important qu'il y ait cette véritable reconnaissance. Et c'est pour ça que je me suis permis d'employer encore le mot de médecin adjoint, sous la responsabilité d'un maître de stage, parce que c'est d'abord le gage d'une rémunération. Si vous envoyez sur le terrain des internes payés à 1500 euros ou à 1600 euros, d'ailleurs, vous avez vu que ça n'a pas tardé. Ils ont déjà réagi fortement. Et ceux qui ont rencontré les fédérations internes le savent très bien. Donc, je me permets de signaler, Madame la Présidente, que cette notion de maison médicale universitaire, c'est l'assurance déjà qu'on sortira les internes des murs et qu'on fera en sorte que leur quatrième année sera totalement opérationnelle auprès d'un maître de stage, au plus près de la population, pour apporter un vrai service qu'on attend. Et cette création, je termine là-dessus, c'est quand même, me semble-t-il, un élément absolument considérable sur les mesures qui n'ont jamais été prises jusqu'à présent. Très bien, Monsieur Ruffin. Oui. J'entends médecin junior, j'entends médecin adjoint, mais là, ce sont des stagiaires. Ce sont des médecins en stage qui s'y sont envoyés, qui ne vont pas être payés comme des médecins. Et moi, je le redis, plutôt que de faire une quatrième année bricolée dans un PLFSS, mais si, là, on est en train de se demander comment ça va être accompagné sur le terrain, est-ce qu'il va y avoir bidule machin qui va venir, enfin bon... c'est comme ça que c'est en train de se monter. C'est du bricolage qu'on est en train de faire. Mais plutôt que de faire ça, moi, je pense qu'il faudrait avoir une vraie, véritable ambition pour la médecine généraliste dans les campagnes, une véritable ambition pour nos territoires, une véritable ambition pour nos citoyens et une véritable ambition pour les médecins qui peuvent être amenés, et y compris de manière obligatoire, à aller exercer 1, 2, 3 ans à la sortie de leurs études sur ces territoires-là. Mais que ça soit acté que ce sont des médecins véritablement qui vont faire ce travail et faire pleinement ce travail, tout en étant accompagnés par des médecins seniors en plus. Mais là, on bricole quelque chose. Et moi, je trouve ça franchement dommageable pour tous, quoi. Très bien. Madame Gruet, pardon. Je vous en prie. En effet, la sémantique est importante et dans ce cas-là, j'aimerais que nous arrêtions d'utiliser le terme de déserts médicaux, car nos territoires sont très attractifs et offrent une très belle qualité de vie et ne sont en aucun cas des déserts. Très bien. Monsieur Cyril Isaac-Sibyl. Merci. Dans ce débat, j'essaie de relever les points positifs et je vois que sur tous les bancs, vous êtes tous attachés, et nous sommes tous attachés, à la médecine générale et donc à la médecine libérale. Même de la part de M. Ruffin, qui fait un panégyrique de la médecine libérale, et je crois que la question, elle est là. Par rapport, on parle effectivement de médecine générale, de médecine de ville, de médecine rurale. C'est des médecins généralistes qui sont en libéral, et pour ça, la seule solution... C'est de rendre la médecine libérale attractive et on peut se féliciter que sur tous les bancs, on rejoigne ce propos. Je vous remercie. Très bien, Monsieur Delaporte. Oui, non, j'avais l'impression que Monsieur Vigier réagissait quand notre collègue Ruffin a employé l'expression de stage. Mais si on lit l'alinéa 3 de l'article, c'est écrit « La dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage sous un régime d'autonomie supervisée ». Néanmoins, il est vrai que, et je l'évoquais tout à l'heure, les conditions de ce stage ne sont pas exactement les mêmes conditions qu'un stagiaire classique, puisque c'est un régime spécifique. Néanmoins, ce que je pointais tout à l'heure aussi, c'est que les conditions de rémunération sont extrêmement faibles et que ceux qui sont en stage, justement, se plaignent de ne pas, même pas être traités comme des stagiaires et d'avoir un niveau de rémunération équivalent. Mais néanmoins, c'est un... stage. Très bien, très bien. Donc nous allons passer cette fois-ci, je vais donner la parole s'il le souhaite à monsieur Didier Martin. Vous n'avez monsieur... Oui. Oui, je crois qu'on fait le tour de la question. Je reviens à l'amendement, ne serait-ce que la question de l'hébergement. Quand on construit, quand les communes s'investissent aussi parce qu'elles cherchent désespérément l'installation de professionnels de santé, que ce soit des élèves kinés, que ce soit des élèves infirmières ou des médecins en fin de parcours de formation, il faut penser à cet aspect très concret, prévoir un logement
où deux ou trois professionnels de santé en formation pourront être accueillis dans les conditions matérielles les plus confortables et les plus efficaces aussi par rapport à leur mission, pouvoir répondre à partir de 19h aussi à des appels, parce que c'est bien ça, il y a les vraies urgences médicales, et puis aussi les gens qui travaillent et qui à 19h n'ont que ce créneau horaire pour aller consulter. Il faut une proximité géographique. Voilà, je vous remercie. Très bien, Madame la rapporteure. Non, très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'amendement suivant, Madame Degore. Oui, allez-y, Madame. Oui, merci. Défendu, Madame la présidente. Très bien, Madame, Madame la rapporteure. Défavorable. Défavorable. Non. Sur l'amendement, Monsieur Ruffin. Oui, tout à fait. Monsieur Sibylle, Isaac Sibylle. Et de toute façon, toutes les bonnes volontés du pays sont les bienvenues quand la nation a des difficultés à affronter. Donc ici, il s'agit que ça se passe par l'initiative privée. Il va de soi que canaliser, orienter, guider, eh bien, l'initiative privée, l'initiative individuelle des médecins généralistes ou regroupée en collectif, de quelque manière ce que soit, a plus qu'une place dans la société, sur le terrain médical, mais sur le terrain écologique, sur tous les terrains. Il y a une immense place pour l'initiative privée à l'intérieur de ça. Maintenant, quand ça ne fonctionne pas, et là, on est dans un cas où ça ne fonctionne pas, se dire qu'à côté de ça, on doit imaginer d'autres choses. On doit imaginer peut-être un corps, je le dis, de médecins d'État. On doit imaginer des associations qui se montent et qui viennent remplir une fonction qui, aujourd'hui, n'est pas remplie par la fonction libérale. Ça doit être posé aussi dans le débat. Je mets aux voix donc cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Monsieur Colombani. Défendu, Madame la... Madame la rapporteure. Défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, pas défendu. Amendement suivant, Madame Amiot. Madame Amiot. Le 1581. Défendu, pas défendu, Monsieur Clouet. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, cet amendement, il vise à prolonger plusieurs éléments qu'on a pu évoquer, notamment sur l'importance de la concertation et des débats, non seulement dans cette commission, mais aussi avec les professionnels du secteur. Et donc, vous le voyez, il s'agit d'inclure, puisque effectivement la loi dispose qu'il s'agit d'un stage, il s'agit de bien inclure les organisations qui représentent les futurs stagiaires et les actuels étudiants pour voir jusqu'où on peut avancer dans la professionnalisation et les garanties de rémunération qui leur sont apportées. Très bien, Madame la rapporteure. Il est plus que satisfait, donc avis de retrait ou défavorable. Très bien. Bon, il est maintenu. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Garraud. Il n'est pas là. Je mets aux voix l'article ainsi modifié, l'article 23 qui est pour, qui est contre. L'article 23 ainsi modifié est adopté. Amendement portant article additionnel après article 23. Madame Maudet, Monsieur Maudet, pardon. Qui le défend ? Pas défendu ? Pas défendu. Okay. C'est bon, pardon, je n'avais pas allumé mon micro. Alors cet amendement, il vise à revenir sur la question qu'on a un peu évoquée de l'adéquation entre les volumes de places qui seront ouverts et les besoins sociaux qu'on peut avoir dans le pays, et notamment la manière dont on peut planifier la formation des professionnels de santé pour essayer d'adapter l'offre qui est disponible aux besoins de chaque territoire. Et donc ici, on vous propose tout simplement d'avoir des capacités d'accueil, enfin d'avoir plutôt une variation du nombre de places qui sont ouvertes dans le système de formation, qui est directement indexée sur les besoins en termes de santé démocratique et territoriale. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis ? Et très satisfait. J'avais porté un amendement dans la loi Ma Santé 2022 sur ce sujet qui permet aux territoires, par les ARS et l'avis consultatif des CRSA, de donner leur avis sur le nombre d'étudiants en santé de leur territoire. Vous le maintenez, monsieur Clouet ?
Maintenu. Allez, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Juvin. Je le retire. Il est retiré. Je vous remercie. Article 24. Nous arrivons avec un amendement de suppression. Monsieur Guedj, vous avez... Ah, il n'est pas là. Si. Ah, je vous ai... Ah, je vous voyais pas. Vous étiez caché. Vous étiez caché par Monsieur Delaporte. Excusez-moi. Un socialiste pour cacher un autre. Fait de long. La belle paire ne dira rien. C'est un amendement de suppression pour les problèmes posés principalement par cet article. D'abord parce que ça renvoie aux conventions et à la négociation conventionnelle les conditions d'aide à l'installation. Et nous pensons que le Parlement doit s'emparer à la fois du cadre juridique et financier de l'aide à l'installation. Et puis aussi, mais on en a beaucoup parlé, parce que la logique incitatrice qui est au cœur des débats que nous avons, on peut parler incitation, régulation, voire coercition, dans notre bouche, ce n'est pas un gros mot, c'est la régulation qui marche, la coercition. Et c'est donc la raison pour laquelle on propose d'inverser cette logique de régulation à l'installation et au conventionnement, d'où la suppression demandée. Très bien, Madame la rapporteure, votre avis ? Le micro, je vous le donne. Oui, sur ça. Très défavorable, car cet article permet de rationaliser, c'est-à-dire de rassembler l'ensemble des incitations sur un seul contrat. Donc, et c'est vraiment une demande des professionnels. Donc, avis défavorable. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Quatre amendements identiques. Monsieur Bazin, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues. Il s'agit par cet amendement, qui est un peu un amendement de précision, de promouvoir les guichets uniques à l'échelle départementale d'accompagnement à l'installation. Ça avait été promu dans un rapport du Sénat en 2017. Ça faisait partie du plan pour l'égal accès aux soins dans les territoires de la même année. On a de beaux exemples. Je pense à celui dans les Pyrénées-Atlantiques, hein, Présence Médicale 64, où GE m'installe. Il s'agit vraiment de structurer autour de l'ensemble des acteurs territoriaux dans un guichet qui est dédié à l'ensemble des étudiants et des jeunes professionnels. Donc je pense que c'est un amendement qui va dans le bon sens. Très bien. Madame Valentin ? Défendu, merci Madame la députée. Monsieur Neuder pour le 473. Dans le même sens que Thibault Bazin et que Isabelle Valentin, l'idée c'est de dire qu'il y a déjà des expériences de territoire qui existent. On a notamment le modèle des Pyrénées-Atlantiques. Donc je propose effectivement que l'on puisse avoir ce guichet à l'échelon départemental sous l'égide de l'ARS pour que ce guichet soit ouvert naturellement à tous les professionnels de santé qui souhaitent s'installer et notamment aussi aux étudiants, et en profiter pour dire que si on veut favoriser le nombre d'étudiants dans les territoires, notamment d'installation médicale, il ne faut pas non plus oublier la formation, parce que la gestion d'un cabinet médical est quasiment la gestion d'une petite PME, et le niveau de formation des médecins sur la gestion de ce type d'activité est vraiment sous-évalué, et ils ne sont pas du tout prêts sur cette gestion quotidienne pratique d'une activité qui a une partie commerciale, ne serait-ce que d'avoir la gestion d'un bail, des assurances, de personnel. Donc tout ça peut profiter à favoriser le meilleur guichet et surtout la formation en amont. Très bien. Madame Levavasseur pour le 1624. Défendu. Défendu, Madame la Présidente. Très bien, merci Madame la Rapporteure. Votre avis sur ces quatre. Il y a Monsieur Rousset également. Non, je suis, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, Madame la Présidente. Alors, je suis complètement d'accord avec le fond de vos amendements, sauf qu'il y a une erreur de rédaction dans le chiffre qui renvoie à l'article. Et l'amendement suivant qui dit la même chose, mais qui n'a pas l'erreur, c'est pour ça qu'il n'est pas identique dans l'article. Je vous propose donc une demande de retrait sur ces différents amendements pour le suivant qui dit la même chose. Très bien, Monsieur Bazin. Est-ce qu'on pourrait juste, si c'est une erreur de chiffre, le rectifier ? Donc vous le retirez, vous ne le retirez pas ? Elle vous propose, Madame la rapporteure, je vous donne le micro, Madame la rapporteure. En fait, l'article de loi auquel vous renvoyez dans vos amendements n'existe pas. Donc on ne peut pas modifier un chiffre.
Voilà, bon. Donc on va le retirer. Retirer. Madame Valentin également. Madame. Monsieur Neuder également. Et puis Madame Levavasseur également. Oui. Vous le retirez. Très bien, je vous remercie. Amendement suivant, monsieur Gedge. Très bien, Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, monsieur Rousset. Oui, ben c'est celui-là qu'on parlait. Oui, merci. Cet amendement propose la création d'un guichet unique favorisant l'installation des jeunes médecins. C'est une demande des étudiants, donc nous le portons et je n'ai pas plus de commentaires à faire. Très bien, Madame la rapporteure, donc favorable, donc c'est l'amendement qui était identique avec les autres. Très bien, très bien. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable, pardon, de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 24 ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 24 ainsi modifié est adopté. Amendement portant article additionnel après l'article 24. 10 amendements pouvant faire l'objet d'une présentation commune. Et je passe la parole à M. Garraud. Il n'est pas là, donc je monsieur vais... M. Califère. Il est là, il n'est pas là. Ou monsieur Gedge. Oui, monsieur Gedge, comme mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. Il y en a 4 de co-signataires. Monsieur Califère, vous y allez ? Alors, voilà. Voilà, c'est un amendement que nous posons, bien sûr, pour évoquer la création de guichets uniques d'accompagnement à l'installation placés sous l'égide des ARS. Toutefois, il n'y a pas de vecteur législatif pour un tel dispositif. Cet amendement propose donc une traduction législative de ce dispositif. Ces guichets uniques d'accompagnement à l'installation sont très attendus par les jeunes médecins. Monsieur le député, je m'excuse, mais vous ne défendez pas le bon amendement. C'est ce que je disais à Garraud, là. Je suis le 24. Oui. Ouais, pardonnez-moi, là. Je vous en prie. Voilà, c'est un amendement que nous déposons, bien sûr, le groupe apparenté, socialiste apparenté, qui vise à créer une régulation exceptionnelle et transitoire dont le terme sera négocié avec la profession. Il s'agit d'une présence en zone sous-dense de 2 ans qui suivent l'obtention de leur diplôme. Donc ce sont des thésés. Alors que le phénomène de désertification médicale touche de plus en plus nos citoyens, cette mesure est le complément indispensable du conventionnement sélectif que nous proposons par ailleurs. En effet, la relative inefficacité des politiques incitatives visant à lutter contre la désertification médicale enjoint à mettre en œuvre au moins temporairement des mesures de régulation. Voilà donc, pendant cette durée de 2 ans, les modes d'exercice pourront bien entendu être souples, libérales, salariés et même en même temps partagés à l'hôpital, entre l'hôpital et le cabinet. L'essentiel, c'est de mettre des équipes au service de la population en zone sous-dense. Très bien. Amendement suivant, Madame Pochon. Madame Garin, vous le défendez. Madame Rousseau, vous le défendez. Allez-y. Je vous donne le micro. Prenez le micro, Madame la députée. Alors, allez-y. Merci Madame la Présidente. Donc je défends l'amendement de Marie Pochon qui vise à ne pas accroître les inégalités de répartition des médecins sur le territoire et notamment à lutter contre la désertification médicale des territoires ruraux en adoptant un conventionnement territorialisé des médecins. Et on en a parlé pendant la discussion là sur les précédents articles. On a une inégalité de répartition des professions de santé en fonction des territoires. Et aujourd'hui, cet amendement vise à ne pas augmenter cette concentration des médecins dans les zones les plus denses et de faire en sorte que toute nouvelle installation soit conditionnée dans les zones les plus denses au fait qu'il y ait un départ en retraite. Très bien. 2 amendements identiques. Madame Valentin. Oui, merci Madame la Présidente. Donc on le sait, la démographie médicale sera encore défavorable pendant les prochaines années. L'accès aux soins... Oui, c'était pas les mêmes. Ils sont dans la discussion commune, mais là j'ai 2 amendements... Mais si.
Si, si, je vous assure, c'est une présentation commune. Et dans cette présentation commune, là, tout de suite, il y a deux amendements identiques. Non. S'il vous plaît. Seule Madame Valentin a la parole. Allez-y. Je recommence. Merci, Madame la Présidente. Donc, on le sait, la démographie médicale sera encore défavorable pendant les prochaines années. L'accès aux soins est l'une des préoccupations, bien entendu, de l'ensemble des Français, puisqu'on le sait tous, il devient difficile de trouver un médecin traitant lorsque notre médecin arrête. Et lorsqu'on a un médecin traitant, il est difficile d'obtenir des rendez-vous. En tout cas, les rendez-vous sont très longs. La désertification médicale est aujourd'hui un enjeu de santé publique majeur, l'accès à une offre de soins complète pour l'ensemble de la population se dégradant considérablement chaque année. Donc cet amendement propose donc d'instaurer une convention sélective pour les médecins, de manière simplement à renouveler les médecins conventionnés dans les zones sous-dotées pour mieux répartir les nouveaux médecins. Très bien. Amendement identique, Madame Corneloup ? Défendu. Je vous remercie. Ensuite, deux autres amendements identiques, et c'est Monsieur Dharréville qui a la parole, ou Monsieur Monnet. Merci, Madame la Présidente. Juste en préambule, quand on propose des amendements, on a la lucidité de penser que ce n'est ni l'alpha ni l'oméga d'une solution toute trouvée pour bien répartir les médecins, puisque le problème est tellement profond que même si d'autorités ont décidé d'installer les médecins là où il y en a besoin, on manquerait de médecins. Donc le problème est profond. Néanmoins, on se doit d'essayer de proposer des solutions qui améliorent la situation. Et nous, on propose simplement avec cet amendement de mettre tous les professionnels de santé sur le même pied d'égalité avec un principe d'installation lié à un zonage, comme les pharmaciens. Aujourd'hui, les pharmaciens ne s'installent pas là où ils veulent. Et donc, il y a un système de zonage qui serait défini par l'ARS et qui permettrait d'organiser l'installation des médecins sur le territoire. On ne voit pas pourquoi seuls les médecins ont une liberté absolue par rapport aux autres professionnels. Voilà. Très bien. Monsieur Kervan, pour l'amendement suivant. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure. C'est un amendement qui vise aussi à instaurer un conventionnement sélectif, tout simplement pour ne pas continuer à creuser l'écart entre les territoires français. Tous les territoires ne sont pas dans la même situation. C'est vraiment un appel à la solidarité nationale. Madame la Rapporteure disait que la région Centre-Val-de-Loire était l'une des plus sous-dotées. Je suis élu de cette région. J'observe aussi que les professions qui sont régulées sont les plus présentes dans mon territoire, hein, pharmaciens, ambulanciers, infirmiers. Et je dois dire que c'est un amendement qui est soutenu aussi par de très nombreux médecins du Cher qui sont en exercice aujourd'hui. Merci bien, monsieur le député. Deux autres amendements identiques, monsieur Guedj. Monsieur Delaporte, vous oui, le défendez ? Je vais le défendre si vous me donnez une demi-seconde. Voilà. Il s'agit du 22, tout à fait. Et donc cet amendement, il vise à mettre en place, on l'évoquait à l'instant, le conventionnement sélectif, puisque la désertification médicale, ou si il faut mettre, utiliser des pincettes pour prendre ce terme, les zones sous-denses ou moins bien dotées en médecins, contribuent à toucher de plus en plus de nos concitoyens. Par exemple, à Caen, on n'a plus de dentistes. Ça, c'est un vrai sujet. On doit aller à Paris pour trouver un dentiste si on ne veut pas attendre 6 mois. Donc ça, c'est un vrai sujet, même quand il y a des urgences. Donc cet amendement, il vise à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l'installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé, les pharmacies, les infirmiers, les kinés, les sages-femmes, etc., les orthophonistes ou les dentistes, bref. Donc on prévoit que les ARS définissent des zones en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquels il existe un excédent en matière d'offre de soins. Un nouveau médecin libéral ne pourra pas s'installer en étant conventionné à l'assurance maladie lorsqu'un médecin libéral dans la même zone, uniquement, pardon, lorsqu'un médecin libéral de la même zone cessera son activité. Ce principe de liberté d'installation demeure donc, mais le conventionnement ne sera possible qu'en matière sélective. Bref, cet amendement, il est plutôt transpartisan, il me semble. Il est soutenu par un certain nombre de nos collègues. Donc c'est pour cela que nous souhaitons qu'il soit adopté de manière large pour qu'enfin nous puissions avancer. Très bien. Amendement suivant, Monsieur Pétavi ou Madame Rousseau qui le défend. Madame Garin. Merci beaucoup. Cet amendement souhaite aller plus loin que l'article 22 du présent projet de loi en proposant d'expérimenter que le conventionnement à l'assurance maladie d'un médecin libéral soit limité au seul cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d'activité libérale d'un médecin
et cette expérimentation devra faire l'objet d'un bilan pour en évaluer l'efficacité. Très bien. Monsieur Garraud, l'amendement avant, en fait. Je vous avais zappé. Oui, mais en fait, merci, Madame la Présidente. Sur la question du conventionnement sélectif, je le disais dans une précédente intervention, il n'y a sans doute pas une seule solution. Mais il ne faut surtout pas s'interdire d'éprouver de nouvelles solutions. Et le conventionnement sélectif en est un. C'est très simple, le principe. C'est dans les territoires, parfois ce sont à l'échelle d'une ville, d'un bassin de vie, où il y a suffisamment de médecins. On dit simplement, écoutez, n'allez plus vous installer là, mais allez vous installer ailleurs, là où vos patients vous attendent, là où on a besoin de vous. C'est ça, l'essence même du conventionnement sélectif. Alors, il faut en trouver des modalités, je suis d'accord là-dessus. Il faut travailler, il faut discuter, il faut concerter avec l'ensemble des organisations de médecins, ça va de soi. Mais surtout, il faut avancer là-dessus. Je rappelle juste à l'ensemble de nos collègues que la question de la régulation de l'installation a été posée par le candidat Emmanuel Macron au moment de la dernière campagne présidentielle. Et c'est écrit noir sur blanc dans son projet de mandature, son programme de candidat. Donc je vous invite à le mettre en œuvre. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis sur ces 9 amendements qui ont été présentés de manière commune. Merci, Madame la Présidente. Alors, on a eu déjà en partie ce débat dans la première partie de la matinée. Encore une fois, le conventionnement sélectif est une mesure inefficace et je reste étonnée que des députés plutôt de la gauche de l'hémicycle proposent des conventionnements sélectifs. Chez moi, les gens, comme il n'y a pas assez de médecins, ils vont voir, ils sont prêts à aller voir des magnétiseurs pour 200 euros. Ils sont prêts à aller voir d'autres professions qui ne sont pas des médecins parce qu'ils n'ont pas la réponse à leur demande de soins à des prix exorbitants non remboursés par l'assurance maladie. Ce que vous proposez, c'est de dire aux médecins, vous allez aller travailler ici, même si vous n'êtes pas d'accord, et sinon vous n'êtes pas conventionné. Mais à votre avis, ils vont faire quoi ? L'augmentation, on a une augmentation du nombre de médecins déconventionnés de plus en plus importante. Donc ce que vous allez créer, en plus de créer le fait que les étudiants vont faire autre chose que de la médecine générale libérale, ils vont aller sur tous les postes disponibles salariés et donc continuer à aller travailler où ils veulent. En plus de ça, vous allez créer des médecins déconventionnés qui auront décidé éventuellement de travailler en libéral à certains endroits et dont les patients, notamment les plus fragiles qui ne pourront pas se déplacer, seront pas remboursés. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi c'est une mesure proposée par la gauche de notre hémicycle. Très bien. Enfin, vous avez dit, pardon, juge, fini, sur pourquoi les autres professions, on le fait bien pour les kinés, pour les pharmaciens, on a régulé pour eux. Parce que la quantité globale de kinés ou de pharmaciens, par exemple, quand cette mesure a été mise en place, il y avait un gradient de 7 fois plus dans les zones surdotées que dans les zones sous-dotées. Pour les médecins généralistes, connaissez-vous le gradient de différence entre les endroits que vous appelez surdotés donc, et les zones sous-dotées ? Ce gradient, il est de 0,5. Ce qui veut dire quoi ? Que si vous prenez des médecins là où vous considérez que c'est surdoté pour les mettre ailleurs. Un, c'est inefficace, vous n'arrivez pas à en mettre partout dans les 87% des territoires démunis. Et deux, vous créez de la pénurie là où il n'y en avait pas. Donc en fait, c'est vraiment agissons sur d'autres choses. On a beaucoup de choses à faire sur l'accès aux soins à mon avis, mais cette mesure, elle est inefficace et en termes d'accès aux soins et en termes d'accès financier aux soins. Très bien. Alors, j'ai plusieurs demandes de prise de parole, en plus des gens qui ont défendu les amendements. Donc, c'est clair, je vais prendre une personne dans le groupe. S'il y a deux personnes du même groupe, je ne lui donne pas la parole, parce que sinon, on est encore... Surtout que le débat a eu lieu. Sincèrement, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu lieu le débat. Alors, je commence par Monsieur Juvin. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, tous ces amendements ont ce point commun qu'ils essayent de résoudre la question des déserts médicaux par une forme de coercition. Le problème, c'est que, comme l'a dit la rapporteuse, la France est un vaste désert médical désormais. Il n'y a pas d'endroit très surdoté. Il y a des exemples, certes,
qu'il faut avoir en tête, parce que c'est un début de solution, sur certaines spécialités qui sont effectivement très présentes dans certains territoires et absentes dans d'autres, mais ce sont des contre-exemples qui, confirment la règle, que la France est un vaste désert médical. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez cette attitude de coercition ? Eh bien, les médecins vont voter avec leurs pieds. C'est-à-dire que soit ils ne vont pas travailler, soit ils vont avoir du temps médical qui va se partager entre multiples activités qui, in fine, feront qu'ils ne seront pas en poste là où on les attend. Ils vont pouvoir choisir des postes dans des établissements de santé, donc ils ne s'installeront pas. Il n'y a pas, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un seul hôpital en France qui ne manque pas de médecins. Il n'y a pas un seul établissement d'EHPAD qui soit en confort médical. En fait, les médecins ont un choix immense aujourd'hui de travail. Donc la coercition n'a que l'effet de prendre un peu de médecins dans des zones qui sont peu dotées et pour essayer de les injecter, entre guillemets, dans des zones qui sont un peu moins. Mais en réalité, tout le monde est dans la pénurie. Donc, ça aura des effets qui sont ces effets pervers. La différence entre les pharmaciens et les médecins, il y en a une autre, hein, c'est que les pharmaciens ont un mode d'exercice qui est relativement identique d'un praticien à l'autre. Les médecins ont ce choix de vastes palettes qui leur est proposé, et donc ils vont encore une fois voter avec leurs pieds. Les solutions, elles sont ailleurs. C'est la question des dépassements d'honoraires. Il y a une question sur les dépassements d'honoraires. Il y a une question sur le temps médical, pas le nombre de médecins, mais le temps médical. Et il y a une question évidemment de démographie globale. On ne forme pas assez de gens. Les Anglais ont pris la décision au mois de mars dernier de doubler le numerus clausus. Doubler. Ils sont passés de 10 000 à 20 000. Voilà, madame la présidente. Très bien. Monsieur Dharréville. Oui, merci. Merci, madame la présidente. Les inégalités de santé progressent dans notre pays selon les dernières études. Ce n'est pas une surprise. Et il y a effectivement une inégalité d'accès aux médecins, d'accès aux soins sur notre territoire. Donc il y a besoin de mesures publiques parce que l'État est comptable. La puissance publique est comptable de ce droit à la santé. Donc nous ne pouvons pas nous priver de leviers. Nous avons besoin de trouver des leviers supplémentaires. Ce que vous proposez tout simplement, c'est de continuer comme avant. Et donc de ne pas toucher par choix idéologique à la liberté d'installation telle qu'elle existe. Bon, nous, la mesure que nous proposons est relativement modeste en réalité. Ce conventionnement sélectif, il s'agit effectivement de n'autoriser l'installation de nouveaux médecins qu'à partir du moment où il y en a un qui s'en va dans les zones surdenses. Bon, franchement, c'est une mesure de régulation extrêmement modeste. Vous nous dites « ça ne marchera pas ». Vous n'avez pas documenté tout ça. Il n'y a aucune étude qui permet de le dire. Nous pensons qu'au contraire, c'est un premier levier indispensable, qu'il y a effectivement une évolution de la médecine, y compris des nouveaux qui se tournent vers la médecine salariée. C'est d'ailleurs une partie de la réponse aux problèmes que nous rencontrons. Vous nous dites que les médecins vont partir. Moi, je fais confiance à la conscience professionnelle des médecins et à leur sens de la vocation. Et madame la rapporteure, vous nous dites par ailleurs que les médecins vont se déconventionner. Peut-être qu'un certain nombre vont essayer de se déconventionner. Mais ce n'est pas ceux qui s'installeraient dans les zones sous-denses qui se déconventionneraient. S'ils se déconventionnent, ça sera pour s'installer dans les zones surdenses. Donc, effectivement, le contre-effet que vous indiquez sera extrêmement limité sur la question des inégalités de santé. Voilà. Donc c'est un faux argument que vous employez. Et il me semble que vous devriez changer de disque parce que ça progresse de débat en débat. Le nombre de députés, y compris dans la majorité, qui s'expriment en faveur de ce dispositif, grandit. Donc vous allez être obligé d'y venir. Donc préparez-vous à changer de pied. Très bien. Ensuite, Monsieur Meynier. Merci, Madame la Présidente. Quelques mots d'abord pour aller dans le sens de Madame la Rapporteure, pour aller dans son sens sur l'inefficacité du conventionnement sélectif. On le voit bien d'abord, ça revient à faire payer la charge de l'installation au médecin, au patient, qui n'est plus remboursé. Et par ailleurs, le rapport charge et produit de l'assurance maladie le montre il y a quelques mois, en début d'été. C'est inefficace, il y a plus d'inégalités à l'installation dans les professions qui ont un conventionnement sélectif que pour les médecins. Ensuite, sur la question de ces multiples amendements. En réalité, chers collègues, je vous invite à regarder plus précisément l'article 22 de ce PLFSS, en son alinéa 4, qui ouvre la voie au conventionnement sélectif. Vous le savez, on a souvent ferraillé avec M. Garot dans les 5 années précédentes. Je me suis toujours opposé au conventionnement sélectif et j'y reste farouchement opposé. En revanche, comme vous, je veux répondre aux besoins de nos concitoyens, aux difficultés de nos concitoyens.
Aussi, hier, j'ai proposé à l'article 22 une contre-proposition qui ne vise pas à un conventionnement sélectif, mais à la mise en place d'un nouveau système d'autorisation à l'installation qui est automatique en zone sous-dense, qui ne peut se faire en zone non sous-dense. L'installation ne peut être réalisée qu'en cas de succession d'un médecin qui cesse son activité ou contrepartie d'aller donner un exercice secondaire en zone sous-dense. Je crois que cette proposition-là répond à votre objectif réellement, sans faire peser la charge financière sur le patient et permettrait de faire cesser l'accroissement des inégalités à l'installation sur le territoire. Aussi, étant donné que finalement ces amendements pourraient quelque part être satisfaits par l'article 22 et que je pense qu'ils ne sont ni efficaces ni justes pour les patients, moi je saisis la balle au bon et je tends la main à M. Garot et à tous ceux qui voudront travailler en ce sens-là pour travailler peut-être sur une mesure de consensus entre nous pour répondre à l'objectif qui, je crois, est partagé sur tous les bancs, mais sans en faire payer le prix aux patients. Moi, je ne me résoudrai jamais à ce que quelqu'un dans ma circonscription vienne me voir en me disant qu'il est allé voir un médecin et qu'il n'a pas été remboursé du fait du conventionnement sélectif instauré à l'Assemblée nationale. C'est profondément injuste. Donc trouvons une solution. Très bien. Elle vous avez dépassé votre temps, monsieur le député. Je n'ai pas vu, j'ai pas surveillé le chrono. Faisons-le pour la séance. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur Ruffin. Je répète encore une fois, un par groupe. Monsieur Ruffin. Oui, madame la rapporteure, décidément, tous les arguments sont bons, quoi. Quand j'entends que les gens vont voir des magnétiseurs parce qu'ils ne trouvent pas de médecin, non, ils vont voir des magnétiseurs parce qu'ils ont le sentiment que la médecine, comme elle existe aujourd'hui, ne répond pas à un certain nombre de leurs attentes dans des cas particuliers, des acouphènes et ainsi de suite. Et bon, c'est pas, là, il n'y a pas de jugement à poser sur les magnétiseurs et compagnie, mais c'est absolument pas... parce qu'on ne trouve pas de médecin, donc on va aller se tourner vers ça. Enfin, c'est du n'importe quoi, ça. Alors, sur le fond, monsieur Meunier, ce que vous nous proposez, ce que vous nous dites, c'est que on est dans l'hyperbricolage. Vous nous direz, regardez à l'article 2, alinéa 4, on a permis qu'il y ait des autorisations en zone non sous-dense si seulement les gens et les médecins vont faire une activité secondaire en zone sous-dense. Enfin bon. Qui va comprendre quelque chose à ça et qui peut croire que face à l'ampleur des déserts médicaux, et qu'on le veuille ou non, on a le droit d'employer ce terme de déserts médicaux quand on s'y trouve, quand on est dans l'oasis ou qu'on a l'abondance de médecins qui coulent du robinet, on peut bien comprendre qu'on ne parle pas de déserts médicaux, mais quand on y est, on le voit que c'est difficile d'avoir un dentiste, que c'est 6 mois pour un rendez-vous, qu'on souffre de rage de dents, à la fin, ça s'appelle bien un désert médical, quoi. Donc, c'est pas ce bricolage-là qui va y parvenir. Et donc, la proposition qui est posée, je trouve qu'aujourd'hui, les contre-réponses, non seulement vous nous dites de manière très dogmatique, c'est pas efficace, sans apporter les preuves de cette non-efficacité, mais surtout, en plus, vous apportez pas de contre-réponses qui soient satisfaisantes pour dire qu'on va sortir nos territoires de ces difficultés. Très bien. Monsieur Garou. Merci. Juste pour enrichir notre débat et répondre à Stéphanie Rist, parce que j'entends ses arguments, et le premier d'entre eux, c'est de dire, le déconventionnement va créer une forme d'inégalité supplémentaire dans le territoire considéré, qui serait donc frappé, entre guillemets, bien sûr, par le conventionnement sélectif, et ce serait au détriment des patients. Rien de plus faux, je le dis, parce que le conventionnement sélectif, il s'applique précisément dans les territoires où il y a déjà suffisamment de médecins, où il y a une offre de soins qui est largement suffisante pour répondre aux besoins de santé. Donc il n'y aura pas davantage de problèmes d'accès aux soins. Ensuite, vous dites c'est inefficace, ils n'iront pas s'installer ailleurs. Mais c'est justement ça, une politique de régulation. C'est voir les voies et les moyens pour qu'on puisse orienter de façon beaucoup plus forte l'installation dans les territoires qui, aujourd'hui, manquent de médecins. Puis enfin, une dernière chose. En effet, pour les pharmaciens, il y a une régulation.
ça n'a découragé aucune vocation. Il n'y a pas de territoire aujourd'hui sans pharmaciens. S'il y a des territoires en fragilité pharmaceutique, c'est précisément là où on manque de médecins, où on manque de prescripteurs. Donc si on veut aujourd'hui soutenir une offre de soins rationnelle, équilibrée, harmonieuse au plan national et au plan local, il faut arriver vers cette régulation de l'installation et de l'exercice de l'ensemble de nos médecins, généralistes et spécialistes. Je vous remercie. Très bien. La parole est à Monsieur Cyril Isaac Sibyl. Merci, Madame la Présidente. Comme j'ai dit tout à l'heure, soyons humbles et prudents. Depuis 30 ans, on a fait beaucoup d'erreurs. La droite, comme la gauche, je le rappelle, depuis 30 ans, a fait des erreurs. Et c'est pour ça que Monsieur Daréville, nous sommes effectivement comptables de ces erreurs. Donc on a fait des erreurs. Donc à ces erreurs, soyons humbles et prudents et n'en rajoutons pas une nouvelle. N'aggravons pas le système. Moi, je rappelle un seul chiffre, 7%. 7%, c'est le jeune de non, c'est le pourcentage de jeunes médecins aux sorties de leurs études qui s'installent en médecine libérale. En France, il existe déjà deux systèmes de santé. Un qui est administré et l'autre qui est libéral. Le système administré, c'est quoi? C'est l'hôpital. Est-ce que le système administré de l'hôpital fait en sorte qu'il y a plus de médecins dans les hôpitaux ruraux? Est-ce que vous pouvez me répondre? Non. Est-ce qu'il y a plus de médecins dans les hôpitaux ruraux? Alors que c'est un système administré, est-ce que le ministère de la Santé demande aux directeurs d'hôpitaux de réorienter les médecins des grands hôpitaux vers les petits hôpitaux ruraux? Alors que c'est une médecine administrée. Ils ne le font pas. Donc on a déjà une médecine administrée. Corrigeons déjà cette médecine administrée avant de vouloir administrer la médecine libérale en y ajoutant des contraintes. Donc c'est pour ça que je pense que la seule solution, c'est de rendre plus attractif la médecine libérale. C'est pourquoi pas imaginer un nouveau statut du médecin libéral, l'aider grâce à des assistants médicaux. On viendra tout à l'heure par rapport aux infirmières de pratique avancée. Ce qu'il faut, c'est créer une équipe autour du médecin généraliste libéral. Très bien, je vous remercie. Très bien, monsieur le député. Monsieur Éric Allauzet. Merci, madame la présidente. Bien sûr qu'on peut anticiper l'échec d'une telle mesure. Non seulement l'échec, mais l'effet dévastateur que ça va avoir sur les nouvelles générations. On l'a dit, très peu de jeunes médecins choisissent la médecine générale. Dans ceux qui la choisissent, très peu s'installent. Et tout ça va s'amplifier. Et bien sûr qu'ils choisissent d'autres façons d'exercer la médecine. On l'a dit, il y a plein de métiers pour les médecins. Donc bien sûr qu'on peut prévoir ce qui va se passer. Mais ce qui me gêne beaucoup dans la mesure, c'est que ceux qui la proposent à l'instant étaient ceux qui s'opposaient, il y a quelques minutes, à la quatrième année de médecine, dont on a expliqué les tenants aboutissants, au motif que ça stigmatisait les jeunes médecins, que ça leur crée des encombrements, que ça allait les gêner dans leur formation, etc. Mais c'est bien pire. C'est bien pire ce que vous proposez là. Et vous stigmatisez les jeunes médecins. Moi, je ne suis pas pour cette mesure parce qu'elle stigmatise les jeunes médecins. C'est les jeunes médecins qui seront confrontés à cette situation. Si on doit faire quelque chose, c'est avec tous les médecins. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer ici dans cette assemblée, en tant que médecin, sur ce que je serais capable d'accepter, y compris aujourd'hui. Mais pas seulement comme jeune médecin, comme médecin de 60 ans. On pourrait me demander d'aller un jour par semaine travailler dans les zones où il y a peu de médecins. C'est tout à fait acceptable. Ça ne me remet pas en cause la liberté d'installation. Et ça permet de faire contribuer l'ensemble des médecins, et pas seulement les jeunes. Vous stigmatisez les jeunes médecins. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Très bien, monsieur le député. Madame Rousseau, et je passe la parole à madame rapporteure, et on passe au vote. Madame Rousseau. Bon, tout le monde est d'accord sur le fait quand même qu'il y a des zones qui sont en désert médical, même si on n'a pas le droit d'utiliser le mot désert médical, mais que quand même il n'y a pas d'offre médicale pour bien des gens dans le territoire français. On est tous d'accord. Et parce que ça, c'est l'INSEE qui le dit, que les ruraux ont une espérance de vie plus faible. Et on ne parle pas des territoires ultramarins qui sont encore pires. Et on est tous d'accord pour dire que les personnes en ruralité vivent moins longtemps que les personnes en ville. On est tous d'accord pour dire que les médecins libéraux... On écoute, madame la députée.
On est tous et toutes d'accord pour dire que les médecins libéraux exercent une mission de service public qui s'appelle le droit à la santé et que la situation s'aggrave. Et en fait, face à cela, eh bien, la seule réponse qui nous est faite, c'est on va étudier une possibilité de peut-être faire plus tard. Eh bien là, aujourd'hui, on a des personnes qui sont en difficulté dans leur santé parce qu'elles ne trouvent pas d'accès à la médecine et que le conventionnement territorialisé ou toutes les autres solutions que nous avons proposées sont des solutions concrètes qui permettent de répartir sur le territoire l'offre médicale et que, en fait, c'est ça le but. Et ça n'est pas de satisfaire les médecins, mais bien les patients. Très bien, Madame la rapporteure, votre avis et on passe au... Oui, merci Madame la Présidente. Juste pour répondre à Monsieur Garraud, c'est vrai que nous avons ce débat depuis quelques années et toujours aussi intéressant. Quand je dis que les médecins qui vont être déconventionnés et que les malades iront voir ces médecins déconventionnés, je suis d'accord que ça sera dans des zones que vous appelez surdenses, mais que moi et d'autres, on n'appelle pas surdenses. On appelle des zones moyennement dotées ou un peu. D'ailleurs, tous les députés, chaque année, à chaque fois qu'on aborde le sujet, demandent à ce que les zonages soient revisités en leur faveur. Ce qui veut dire que des médecins qui seront déconventionnés dans des zones qui ne sont pas sous-denses, ces malades-là vont aller chez ces médecins non déconventionnés et donc vont payer la consultation sans être remboursés parce qu'on aura considéré que la zone était moins pire que les autres. Donc je voulais vraiment apporter ça à l'élément du débat parce que, encore une fois, je pense que c'est une mesure inefficace. Et juste pour répondre à M. Daréville, vous me demandez de changer de disque. Mais non, M. Daréville, je me suis engagée en politique pour améliorer l'accès aux soins. Jamais je voterai des mesures inefficaces sur ce sujet, jamais, même si je devais être la dernière dans l'hémicycle à considérer que c'est une mauvaise mesure. C'est pas parce que l'ensemble... Parce que, évidemment, tous nos concitoyens, moi, dans ma permanence, toutes les semaines, j'ai des gens qui me disent « obliger les médecins à s'installer ». Parce que, évidemment, c'est une façon... compréhensible, c'est une façon simple de dire si on pouvait le faire, mais je serais la première d'accord à le voter, s'il y avait assez de médecins dans notre pays, qu'on pouvait même en exporter, ce qui serait une bonne idée, puisqu'il y a une démographie mondiale trop basse, mais bien sûr que je voterais cette obligation d'installation. Moi, je suis là pour améliorer l'accès aux soins, pas pour faire plaisir parce que c'est une idée dans la population générale, ou pas pour faire plaisir pour un objet politique. Je suis désolée. Très bien. Nous passons cette fois-ci au vote, mes chers collègues. Donc déjà, nous allons commencer par le 24. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Le 1086, qui est pour ? Même avis, même vote. Il est identique. Très bien. Le identique, 910 et 563, qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont tous les deux donc rejetés. Le 708, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Identique au 1407, même avis, même vote. Très bien, je vous remercie. Deux amendements à nouveau identiques. Celui de M. Gedge, qui est pour, qui est contre. Voilà, en même temps que celui de M. Garraud, c'est le même. Même avis, même vote, c'est les mêmes. Hein. Ensuite, le 864, même avis, même... je le mets, qui est pour, qui est pour le 864, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Et nous arrivons au 202, je fais une suspension de 5 minutes.
Mes chers collègues, nous allons reprendre jusqu'à 13 heures. Donc, monsieur, l'amendement 202, monsieur Juvin. Merci, madame la présidente. Un des sujets qui taraude tous ceux qui s'intéressent à la question de la santé, c'est la question des rémunérations d'un certain nombre de médecins qui viennent boucher les trous de liste de garde dans un certain nombre d'hôpitaux, avec des sommes qui sont parfois considérables. Oui, c'est le 202. Excusez-moi. Alors, monsieur Neuder est revenu, monsieur Juvin. Ah, donc, du coup, c'est celui de monsieur Neuder ou le mien ? Excusez-moi. C'est le 202, celui de monsieur Neuder. Je vous avais, parce que monsieur Neuder était absent, donc je vous avais appelé. Je croyais que vous m'aviez donné le... Allez-y. Monsieur Neuder, à vous. Désolé, c'est un petit bouchon au niveau de la machine à café. Simplement, madame la présidente, madame la rapporteure générale, c'est un sujet difficile hein, sur le prendre en charge la santé des étrangers en situation irrégulière. Cependant, il faut quand même veiller aussi à la bonne équité. On est souvent surpris dans nos permanences ou dans nos activités professionnelles de voir des patients en fonction, notamment les retraités agricoles, qui demandent s'il y a un reste à charge au décours d'une prescription médicale. Est-ce que ça va coûter cher? Combien il me reste? Donc je pense qu'il y a besoin de faire attention quand on ne prend pas en charge à 100% des patients qui ont eux-mêmes des revenus, une faible retraite, et qu'en même temps, on met une protection universelle de maladie sur des étrangers en situation irrégulière. Donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est de réguler un peu tout ça, de naturellement soigner un maximum de gens, mais de conditionner la prolongation de la protection universelle de maladie pour les étrangers en situation irrégulière à une durée de résidence en France d'au moins 6 mois. Merci, madame la rapporteure générale. Défavorable. Monsieur Monnet et madame Amiot. Merci, madame la présidente. Je conteste quand même la philosophie de cet amendement qui consisterait à faire croire que c'est parce qu'il y a la CMU que des gens ne peuvent pas être prêts à 100%. C'est aberrant. Moi, je suis pour le 100% sécu, donc je suis pour que toutes les prestations soient prises à 100% par la sécu. Et le fait qu'il y ait une CMU ou une prise en charge de personnes, quelle que soit leur qualité, entre guillemets, n'a rien à voir avec la nécessité de prendre en charge correctement les patients. Madame Amiot. Oui, merci, madame la présidente. Je rejoins parfaitement mon collègue Monnet sur la question. Et je souhaiterais rajouter une chose, c'est que des personnes en situation irrégulière sur le territoire français ont quand même le droit aux soins, d'une part, et d'autre part, il ne faut pas oublier que certaines maladies nous reviennent de l'étranger. Des maladies importantes qu'il faut absolument traiter, je pense par exemple à la tuberculose, et qui sont extrêmement contagieuses. Si ces personnes n'ont pas accès aux soins, risquent de contaminer et du coup de nous coûter bien plus cher en soins par la suite. Merci madame Amiot. Monsieur Delaporte. Oui, évidemment, contre cet amendement que ne renierait pas le Rassemblement national, puisqu'il s'agit ici de réduire les droits des étrangers, qui fait en sorte aussi de réduire de manière générale la santé publique sur notre territoire. Puisque apporter une bonne santé et permettre à toutes et tous, quelles que soient leurs conditions de ressources, de se soigner, ça permet de protéger la santé de la population générale. Donc on revient ici, encore une fois, sur des espèces d'anciennes qui feraient que les étrangers seraient des profiteurs. Nous, évidemment, un, on se refuse à ça, et deux, c'est contraire aux objectifs nationaux de santé publique. Donc contre, absolument contre cet amendement. Merci. Je vais mettre au vote donc cette... Monsieur Neuder. Non, juste, je voudrais pas polémiquer, mais je voudrais pas non plus qu'on tombe dans la caricature. Il n'a jamais été dit de ne soigner personne, et je ne parle pas spécifiquement des maladies infectieuses pour lesquelles, naturellement, tout le monde est d'accord qu'il faut les traiter pour éviter la contamination. Mais quand même, ne dites pas que ça n'existe pas. Nous avons tous eu ces situations à constater, où malheureusement des personnes venant en situation totalement irrégulière, avec d'ailleurs pas forcément les papiers adaptés, profitent
sans d'un système sur lequel ils n'ont eu aucune cotisation, alors que, je le redis, des retraités, des conjoints de retraités, des petites retraites n'arrivent pas tous les mois à pouvoir payer leurs médicaments. Et je pense que c'est quelque chose à ne pas vouloir l'entendre. Je suis d'accord avec vous, ça ne changera pas peut-être la solution, mais je pense que au terme de la paix sociale, et je trouve que la paix sociale dans ce pays est à préserver sous toutes ses formes en termes d'équité, je pense que c'est des mesures qui sont incompréhensibles pour des gens que l'on rencontre, alors avant en consultation et maintenant en permanence, qui vous disent, moi j'ai cotisé toute ma vie, j'ai un reste à charge tous les mois sur mon ordonnance, et des gens qui n'ont jamais cotisé se voient tout offert. C'est un sentiment d'injustice vis-à-vis de l'accès aux soins et vis-à-vis du remboursement. Et le nier, on est dans la caricature. Oui, et pour terminer, je vais donner la parole à Madame Caroline Fiat, et ensuite nous passerons au vote. Et Madame la rapporteure, avant le vote, s'exprimera. Merci, Madame la Présidente. En une phrase, j'invite mes collègues à lire très objectivement le très bon rapport pour avis de 2020 sur l'AME par Caroline Fiat, sur les grands auteurs, sur les idées reçues sur l'AME et la PUMa. Toutes les réponses sont dedans. Très bonne lecture. Merci, Madame Fiat. Madame la rapporteure générale. Monsieur Neuder, vous mettez dans votre amendement que c'est les 6 premiers mois. Et dans les 6 premiers mois, comme cela a été dit, les gens qui arrivent, qui ont éventuellement des maladies contagieuses, en fait, on protège ceux-là même dont vous parlez et que vous avez envie de protéger. Parce que là, vous parlez des 6 premiers mois. Donc, je suis vraiment défavorable sur cet amendement. Donc, nous allons procéder au vote de l'amendement 202. Qui est pour ? Qui est pour ? Qui est contre ? Donc nous allons passer à une discussion de 4... Il est rejeté, excusez-moi. Nous allons donc passer à 4 amendements identiques. Monsieur Garot. Merci, Madame la Présidente. Je laisserai Éric Alauzet présenter dans le détail cet amendement, qui est issu d'un groupe de travail qui avait été installé au sein même de la Commission, avec des députés de toutes les sensibilités, pour essayer de faire avancer autour de solutions partagées la question de l'accès aux soins. Donc, on interviendra ce matin sur les consultations avancées, et je propose que ce soit ensuite Jean-François Rousset pour un autre amendement concernant les IPA, cette fois, qui pourra présenter le résultat d'un travail qui est un dénominateur commun, parfois peut-être pas suffisamment ambitieux aux yeux de certains, mais moi, je suis un réformiste, donc chaque fois qu'on peut faire un pas en avant, c'est un pas bienvenu. Merci, Monsieur Garot. Monsieur Meynier, pour le 1215. Monsieur, oui, c'est moi qui vais le présenter. Donc, c'est un amendement dans le droit fil de cette quatrième année qu'on a évoquée pour les médecins généralistes, qui vise à demander aux médecins qui seraient installés dans des zones surdenses, ou en tout cas bien doté, de faire un temps de consultation et d'exercice médical dans des zones qui le sont moins, et à organiser avec le conseiller de l'ordre. Et la proposition qui est faite par amendement, c'est une expérimentation de 3 ans, en exigeant des conseils de l'ordre, effectivement, que territoire par territoire, ils organisent cette contribution des médecins qui sont donc dans les territoires dotés à la prise en charge de patients dans les territoires qui ne le sont pas. Pour l'amendement 1247, Monsieur Vigier. Pardon. Merci, Madame la Présidente. Pour être court, je soutiens naturellement cet amendement dont je vois qu'il vient de plusieurs groupes politiques qui nous permettra, j'en suis persuadé, d'avancer. Donc j'espère qu'il aura un accueil le plus favorable possible. Là, c'est pour... Vous avez fini, Monsieur Vigier ? Oui. Oui. Donc, l'amendement 1324, Madame Iborra. C'est le 1324. C'était Monsieur C'est identique. Mmh. Ce sont des identiques, je vous le rappelle. Avec le micro, ça serait mieux, Madame Iborra. Merci. Oui, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans.
l'État peut autoriser les conseils de l'ordre des médecins compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones sous-dotées. Merci, Madame Iborra. Je mets au Madame la rapporteure générale, s'il vous plaît, pour sur ces trois amendements identiques. Quatre. Alors, tout à fait favorable. Je suis ravie que ces groupes de travail transpartisans qu'on a mis en place très, très peu de temps d'ailleurs avant ce PLFSS montrent déjà une certaine efficacité. Je regrette que certains groupes ne l'aient pas co-signé, même si peut-être sur le fond ils étaient d'accord, ce qui aurait permis de faire un amendement groupe de travail transpartisan. Mais ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est l'avancée. Et donc on avance sur l'accès aux soins, donc tout à fait favorable. Monsieur Allauzé. Oui, je voulais illustrer un peu l'intérêt d'un tel amendement. On a eu la disposition sur les jeunes médecins, la quatrième année de médecine. Là, on est sur une disposition qui concerne les médecins installés. C'est pour ça que j'intervenais précédemment pour dire que le conventionnement sélectif stigmatisait les jeunes médecins. Il faut mobiliser toute la profession médicale. C'est l'intérêt de cet amendement. Et je pense que l'ensemble des médecins généralistes peuvent contribuer au système. Ils doivent contribuer à régler le problème en apportant leur contribution, tout en étant installés, d'ailleurs souvent en cabinet de groupe. C'est souvent possible, pas toujours, mais c'est souvent possible pour eux, de consacrer, par exemple, c'est une illustration, hein, une journée par semaine à une zone complètement désertifiée et à plusieurs médecins. Ils s'organisent, on peut faire ça avec les CPTS, avec l'ordre des médecins, tout ça s'organise pour aller assurer une permanence des soins un jour par semaine. En plus, ça permet d'avoir des médecins expérimentés dans ces zones et pas seulement des jeunes médecins. Des médecins expérimentés, des médecins qu'on retrouve pendant plusieurs années sur un territoire donné où les patients savent quand ils sont suivis tous les 3 mois, tous les 4 mois, 6 mois, qu'ils peuvent retrouver ce même médecin parce qu'ils savent qu'il vient par exemple tous les lundis. Et puis, ensemble, ils assurent la permanence des soins quand il y a une urgence dans la semaine, bah comme dans un cabinet de groupe, ça peut être un autre médecin qui l'assure, y compris la couverture H24 peut être assurée. Donc voilà, c'est tout à fait possible. C'est une alternative au conventionnement sélectif, à mon avis beaucoup plus crédible, beaucoup plus réaliste, et qui embarque toute la profession médicale et pas seulement les jeunes. Je vais mettre donc au vote ces quatre amendements identiques. Qui est pour ? Qui est contre ? Ces amendements sont adoptés. Nous allons rentrer dans une discussion commune avec quatre amendements identiques. Monsieur Isaac Sibyl, s'il vous plaît. Oui. Merci. C'est un cabinet secondaire. Je suis très heureux de défendre cet amendement. Excusez-moi. Je suis très heureux de défendre cet amendement issu de plusieurs groupes de notre commission. Il s'agit d'un amendement important car il va créer une avancée très significative dans la relation médecin-infirmier. Cette avancée, nous l'attendions depuis longtemps. Si le diagnostic est de la compétence du médecin qui bénéficie d'une formation globale et complète, la réalisation de soins peut être réalisée par d'autres professionnels de manière autonome, dont les infirmières. Et c'est l'objet de cet amendement expérimental qui permet aux IPA de faire sans prescription médicale des soins dans le cadre de structures d'exercice coordonné. On connaît leur rôle dans la prévention, dans l'éducation thérapeutique, et c'est fondamental que les patients, notamment en maladie chronique, puissent accéder directement à ces infirmières. Donc je suis très heureux de cet amendement. Se posera quand même la question de la rémunération de ces IPA. On sait qu'à l'hôpital, il n'y a pas de problème. Par contre, en libéral, ces IPA ne peuvent vivre de cette pratique avancée, mais nous faisons confiance aux discussions conventionnelles pour qu'elles soient mieux rémunérées. Je vous remercie. Merci, M. Isaac Sibyl. Pour l'amendement 757, M. Garraud. C'est moi qui vais le défendre. Oui, vous êtes dessus. Oui, on l'a co-signé. C'est le fruit du travail qui a permis de réunir à plusieurs reprises des députés de tous bords, et je suis aussi très satisfait de le défendre, parce que dans le cadre des possibilités d'améliorer le travail médical et de dégager du temps médical aux médecins généralistes, cette possibilité de donner des compétences à l'infirmière en pratique avancée me paraît une très bonne chose. Donc je le soutiens avec plaisir.
Merci. Monsieur Meignier, pour l'amendement 1219. Oui, Madame la Présidente, il a été défendu au préalable. Il vise effectivement à avancer sur l'accès direct aux pratiques, aux infirmiers de pratique avancée. Oui, merci. Madame Iborra, pour le 1325. Merci. Voilà un amendement différent, donc qui est hors des identiques, mais de la discussion commune. L'amendement 800 de Madame Dubré-Chira. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement traite aussi des IPA, mais il demande une expérimentation pour tester l'accès direct aux infirmières en pratique avancée et non plus sous la houlette d'un médecin coordinateur pour les patients dans un souci d'efficience de la prise en charge. Cette expérimentation aura pour but de tester le fonctionnement initial qui était prévu avant la modification de la loi, qui avait abouti à une restriction de l'autonomie de ces professionnels. Cette limitation a eu des effets négatifs et des difficultés d'accès pour les patients, un coût supplémentaire et au final une réforme IPA qui n'a pas pu se déployer pleinement. Et donc cet amendement a été discuté avec l'Ordre national des infirmières et il va un peu plus loin que les précédents. Je vous remercie. Merci Madame la responsable. Merci Madame la Présidente. Effectivement, c'est des amendements qui sont des mesures efficaces pour améliorer l'accès aux soins. Donc j'y serais très très favorable, même si je pense que nous devrions aller directement à la généralisation de cet accès direct. Mais nous savons que dans le cadre d'un PLFSS, c'est assez compliqué de pouvoir le faire. En tout cas, ce sont des très bonnes mesures avec un avis favorable, sauf pour Madame Dubré-Chira. En fait, vous faites la même chose dans une écriture un peu différente. Je vous demanderai le retrait, mais sinon favorable pour tous ces amendements. Merci. Je vais donc mettre au vote les... Vous le retirez ? Donc, Non, elle a dit non. Donc, je mets au vote les quatre amendements identiques. Qui est pour ? Qui est contre ? Donc, ces quatre amendements identiques sont adoptés, ce qui fait tomber l'amendement de Madame Dubré-Chira. Ensuite, Monsieur Bazin. Oui, merci, Madame la Présidente. Michel Perron, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues. L'article 79 de la LFSS pour 2022 avait institué le remboursement de 8 séances par an chez un psychologue dans le cadre du parcours MonPsy et favoriser l'accompagnement pour surmonter les difficultés psychologiques auxquelles ils peuvent être confrontés. On l'avait vu, la crise sanitaire avait pu révéler ce besoin. L'objet de cet amendement est un amendement d'appel de demander un rapport au gouvernement nous permettant d'obtenir une évaluation des résultats de ce dispositif et peut-être même déterminer s'il pourrait être étendu, notamment à l'accompagnement conjugal pour les couples en difficulté. Merci, Madame la rapporteure générale. Merci. Alors, je suis d'accord sur cet objectif d'évaluer cette mesure. Maintenant, il me semble que ce serait une très bonne évaluation que nous pourrions faire dans le cadre du printemps de l'évaluation. Donc, je pense que ce serait plus intéressant de le faire dans ce cadre-là. Donc, avis défavorable parce que vous demandez un rapport et qu'il faudrait le faire dans le printemps de l'évaluation. Merci beaucoup. Je mets donc au vote l'amendement qui est pour, qui est contre. Cet amendement est rejeté. Monsieur Guedj, pour le 108. Oui, Madame la Présidente. Cet amendement, il vise à sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes régulièrement les uns et les autres, dans l'appréciation des capacités hospitalières et du nombre de lits fermés ou surtout ouverts ou surtout fermés ces dernières années. Le PLFSS ne nous permet pas d'avoir une lecture et un suivi objectif et nous sommes à chaque fois tributaires des remontées fournies par le ministère et l'ensemble des ARS. Et donc l'idée c'est d'avoir un pilotage sur la capacité cible des lits d'hôpitaux en introduisant, et c'est un petit peu notre philosophie, un système de santé qui répond aux besoins et qui n'est pas l'adaptation d'un cadre budgétaire fixé par le PLFSS. Et ce faisant, nous essayons de décliner à la fois
des demandes formulées, je pense notamment au Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, présidé par Dominique Libault, dont on a beaucoup parlé sur d'autres sujets, avec cette phrase que je ne peux pas m'empêcher de citer, « L'enjeu principal ne réside pas dans un cadrage budgétaire toujours plus affiné, mais de plus en plus déconnecté de la réalité. » Et donc voilà, le rapport que nous vous proposons devra permettre de formuler des préconisations aussi opérationnelles pour avoir un pilotage pluriannuel de l'offre et surtout une visibilité pour les parlementaires que nous sommes, des conséquences concrètes de ce que nous avons voté dans l'ONDAM hospitalier sur le nombre de lits qui ont été ouverts ou qui ont été fermés. Merci. Madame la rapporteure générale. Monsieur Gage, le micro. J'entends votre amendement plutôt comme un amendement d'appel, parce qu'il ne se rapporte pas à l'article 37 de la LFSS 2022. Donc c'est notre travail en commission des affaires sociales, hein, ce sujet, mais donc un avis défavorable. Je mets donc au vote cet amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est rejeté. Monsieur Gage, vous défendez le 109, s'il vous plaît. Je défends le 109, qui est un petit peu le pendant. Le précédent se focalisait sur l'offre, sur le nombre de lits, et là, sur un autre sujet essentiel, qui est la réalité du pilotage des postes et des effectifs à l'hôpital. J'entends bien, Madame la rapporteure, que vous nous dites que c'est le travail de cette commission, mais comment est-il objectivé, réalisé, communiqué année après année ? Donc là, c'est un objectif de pilotage à la fois des postes vacants, de l'absentéisme et des conséquences, en tous les cas de l'interprétation que nous en faisons en termes de qualité de vie au travail, de rémunération, d'allocation des ressources humaines sur le territoire, de problématiques aussi de logement, de mobilité, de garde d'enfants qui peuvent exister pour les personnels travaillant dans les établissements sanitaires et sociaux. Donc là aussi, un amendement d'appel. J'anticipe votre réponse qui va nous dire c'est le rôle de notre commission, mais quel est le moment où nous avons cette visibilité sur l'ensemble de ces sujets. Ce rapport et les conséquences qui pourraient en être tirées permettraient d'avoir cette visibilité et d'éclairer et d'améliorer la qualité du débat parlementaire. Merci, Monsieur Gage. Madame la rapporteure générale. Merci. Je renvoie effectivement à notre commission et nous avons renforcé, grâce à la modification de la loi organique, le rôle de ce printemps de l'évaluation où nous allons avoir plus de temps, plus d'informations. Et clairement, sur cet amendement, je redirais défavorable pour les mêmes raisons, sur celui d'après, même si les objets me paraissent très importants. Merci. Je vais mettre donc au vote l'amendement 109 de Monsieur Gage. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est rejeté. Nous en venons à deux amendements en discussion commune. Madame Garin. Merci. Cet amendement est une demande de rapport pour faire le bilan des mesures prises, notamment sur les maisons de naissance dans le PLFSS 2021, pour voir quelles conséquences ces mesures ont eues et voir aussi si l'accès aux soins a été renforcé ou non. Je vous remercie. Merci. Madame Fiat, pour le 1491. Oui, merci Madame la Présidente. Comme l'a dit Madame Garin, l'année dernière, nous avons, enfin pas tous, voté ces maisons de naissance et nous souhaitons par cet amendement qu'un rapport nous soit remis pour que nous puissions faire le point sur ces maisons de naissance et les maternités dans notre pays pour voir ce qu'il en est, qui avait eu raison dans les débats l'année dernière. Merci Madame Fiat, Madame la rapporteure générale. Cet objet-là particulièrement me semble très très intéressant à évaluer, mais je redis la même chose. Que je pense qu'on a renforcé notre printemps d'évaluation grâce notamment au travail mené par Thomas Meynier. Je crois qu'il faut s'en saisir et cet objet devra y être. En tout cas, je serais très pour que ce soit dans le cadre du printemps de l'évaluation. Merci. Je vais donc mettre Madame Fiat. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, moi j'entends votre réponse et je me dis qu'on peut avoir aussi beaucoup d'éléments supplémentaires quand il s'agit d'un rapport du gouvernement. Donc je vais maintenir cet amendement parce que, comme vous l'avez dit, il me paraît très important. Merci. Monsieur Meynier.
très rapidement. Oui. Saisissons-nous de cet objet empruntant de l'évaluation. Il est fait pour ça. Ça renforce la commission dans ses missions et dans son rôle. Et par ailleurs, on a un autre, une autre façon de faire, c'est la MEX. Dont on n'a pas, qu'on n'a pas encore lancé dans cette législature et qui serait, je crois, le bon endroit pour travailler ces questions entre nous. Merci, Monsieur Meunier. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 779 de Madame Garin, qui est pour, qui est contre. Cet amendement est rejeté. Je mets aux voix l'amendement de Madame Fiat, le 1491, qui est pour. Non. Qui est contre ? Non, j'ai entendu. Nous allons donc passer à l'article 25. Monsieur Guedj, le numéro 12. Alors, pourquoi il ne se met pas ? Excusez-moi. Donc cet article 25 va dans le bon sens, puisqu'il s'attaque de manière résolue pour démarrer à la question du recours à l'intérim, dont le rapport Véran en 2013 avait déjà pointé l'impact préjudiciable sur les finances, plus de 500 millions d'euros. En 2018, 5 ans après, l'estimation de la DGOS était quasiment un triplement, 1,4 milliard d'euros, avec des montants extrêmement importants pour des missions d'intérim, notamment le week-end sur certaines spécialités qui ont pu heurter ceux qui les perçoivent, enfin ceux qui les mesurent, si j'ose dire. Et donc là, vous introduisez une disposition qui indique qu'il faut avoir une durée minimum d'exercice pour l'intérim médical et paramédical dans les établissements de santé, et vous l'envisagez à 2 ans. Donc nous allons avoir une série d'amendements qui vont durcir, mais en tous les cas poser la question de où est le bon curseur sur cette durée d'interdiction de la pratique de l'intérim dans les établissements de santé. Parce que derrière ça, on y vient toujours, pourquoi est-ce qu'il y a du recours à l'intérim ? Parce qu'on a des conditions de travail, de rémunération dans les établissements de santé, qui font qu'une partie des professionnels de santé formés vont préférer la souplesse et les conditions de rémunération offertes par l'intérim. Et donc, ça va dans le bon sens, mais à travers cette série d'amendements, nous posons la question, y compris de la manière la plus maximaliste et un peu provocatrice, puisqu'on l'a mentionné, y compris jusqu'à 20 ans, hein, j'anticipe sur certains des amendements qui viendront derrière, pour s'attaquer aux racines du mal, si j'ose dire. Pourquoi il y a ce recours parfois abusif à l'intérim. Dans certains cas, il est pertinent, mais dans d'autres, il est un dévoiement du système. Merci, Monsieur Guedj. Je vais mettre donc au vote. Oui, l'avis du rapporteur, excusez-moi, madame. Mais alors, votre amendement vise à élargir l'interdiction prévue par l'article 25 aux établissements médico-sociaux. Je suis à titre personnel extrêmement favorable à cette extension. Cependant, alors la rédaction de votre amendement ne me semble pas la meilleure. Je vous propose donc de le retirer et de soutenir l'amendement que je porte avec Caroline Janvier, notre rapporteure sur la branche autonomie, qui poursuit exactement le même objectif que le vôtre. Je laisserai bien sûr Caroline défendre cette mesure un peu plus longuement. Je voudrais juste dire ici deux chiffres. Le recours à l'intérim a plus que doublé de 2000 à 2021 dans les établissements de santé. Il a été multiplié par 10 dans les établissements du secteur médico-social. Donc, il y a une demande de retrait en faveur de celui de Madame Janvier. Monsieur Guedj. Vous aurez compris que je suis allé un peu plus vite que la musique dans la présentation de mon amendement et que j'ai fait la série des amendements relatifs aux établissements de santé et sur la durée, sachant que j'ai un peu plus tard un amendement qui, lui, va être pour le coup beaucoup plus maximaliste, qui est aussi dans cette logique d'interpellation, de proposer, donc vous ne m'en voudrez pas, je le présente dès à présent, je crois que c'est le S14, qui est proposé l'interdiction totale de l'intérim dans les établissements d'accueil pour personnes âgées et pour personnes handicapées. Parce que les 4 ans, c'est déjà pas mal sur l'exercice, mais je vais vous dire une chose. Autant on peut admettre le recours à l'intérim dans un établissement de santé dans lequel la durée moyenne de séjour est de 5 jours, 8 jours, 10 jours. Et donc, on peut avoir comme interlocuteur personnel soignant ou personnel médical la même personne.
Dans un établissement médico-social, le turnover et la multiplication par 10 du recours à l'intérim, elle vient directement télescoper et percuter le projet d'établissement qui prévoit justement qu'il y ait cette fidélisation, pardonnez-moi l'expression, cette connaissance du profil de la personne âgée ou de la personne en situation de handicap. Et que donc là, la présence de l'intérim fut-elle encadrée avec des personnes qui doivent avoir au moins 4 ans d'exercice précédemment, est orthogonale avec le projet d'établissement dans un EHPAD ou dans une structure d'accueil des personnes handicapées. Vous ne pouvez pas avoir un accompagnement de la prévention, de la connaissance, de la lutte contre l'isolement quand vous avez des infirmières, des aides-soignants qui vont d'un établissement à un établissement, ne connaissent pas les résidents qui séjournent 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Et donc là, on a quelque chose qui n'est pas compatible avec les établissements médico-sociaux. Alors vous allez me dire, si on fait ça, bien sûr, ça, c'est catastrophique et on va avoir des difficultés. Mais posons-nous cette exigence, y compris donnons-nous cette interdiction à moyen ou long terme, pour se dire que nous ne voulons pas d'EHPAD, notamment, ou de structures d'accueil pour le handicap, dans lequel il y a un turnover des personnels encadrants, parce que c'est, allez, je vais lâcher un terme, systémiquement maltraitant, puisque quand vous êtes une personne âgée et que d'une semaine à l'autre, vous avez des aides-soignantes ou des infirmières qui ne vous connaissent pas, vous ne pouvez pas être dans une bonne condition de prise en charge. Merci, Monsieur Gedge. Monsieur Ferracci. Oui, pour répondre à notre collègue Gedge, je pense que c'est un vrai sujet qui remonte beaucoup du terrain, c'est-à-dire la difficulté d'un point de vue ressources humaines à gérer cette problématique des remplacements. J'attire votre attention sur le fait que nous avons adopté hier, dans le cadre de la loi portant réforme du marché du travail, la prolongation, ou plutôt la prorogation d'une expérimentation sur le CDD multi-remplacement qui a vocation justement à stabiliser et à fidéliser les relations d'emploi que peuvent avoir des personnes dans le médico-social. Et je pense qu'on a besoin d'avoir un petit peu de recul sur cette expérimentation, mais qu'elle répond assez fidèlement à la problématique que vous posez. Monsieur Dharréville. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais soutenir cet amendement de notre collègue Jérôme Gedge. Je pense qu'on a besoin de régulation sur le sujet de l'intérim et peut-être y compris de structures publiques qui puissent nous aider à gérer cette réalité et à organiser même cette réalité de l'intérim. Parce que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même une forme de développement de tout ça, que les mesures qui ont été prises pour l'instant ne permettent pas complètement d'en prendre la mesure. Et je crois que c'est un vrai souci que ce type de pratique soit attractive, alors que c'est pas véritablement de ça dont nous avons besoin, et que ça coûte énormément cher au budget de la sécurité sociale. Donc je suis favorable à prendre des mesures régulatrices plus fortes sur la pratique de la médecine en intérim. Monsieur Gedge, vous maintenez l'amendement 12 parce que non, vous... Voilà. Soit vous le retirez, soit... Le mieux n'est pas l'ennemi du bien. Donc je vais maintenir l'amendement, oui. On va le voter, mais je suis tout à fait disposé à ce qu'on travaille avec Caroline Janvier à une formulation qui puisse aboutir à un consensus si jamais nous arrivons à... Merci, on va donc... Alors, moi, je fais confiance à la rapporteure. Si vous me dites que... voilà, donc nous aurons une... C'est bizarre parce qu'ils ne sont pas en discussion commune. On est sur le 12, oui. Voilà, c'est juste pour ça que je ne l'avais pas vu en discussion. Hein ? Merci, nous allons donc procéder au vote de cet amendement. Donc votez-le si vous êtes favorable. Voilà. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous allons passer en discussion commune 5 amendements. Monsieur Gedge, le 9. Madame la Présidente, donc vous aviez compris que ma première présentation, j'avais inversé, donc je ne veux pas allonger inutilement. Vous avez compris la philosophie, je tiens à la réexpliquer, parce que la lecture de ces amendements peut donner une impression de dilatoire, d'une certaine manière, en disant « nous mettons des conditions tellement drastiques, notamment avec la condition jusqu'à 20 ans pour pouvoir recourir à l'intérim ». Vous avez bien compris que je ne dis pas l'interdiction de l'intérim dans le secteur hospitalier ou dans le secteur sanitaire, comme j'estime qu'elle puisse être pertinente dans le secteur médico-social pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment. Reste entière la question de savoir est-ce que les 2 années qui sont proposées sont adaptées, pertinentes, ou est-ce qu'il ne faut pas penser à 4, à 6, à 10, voire à 20 ans, l'amendement de 20 ans étant d'une certaine manière un amendement d'appel pour poser résolument la question de s'attaquer, je le redis, aux racines du mal,
C'est bien d'encadrer et de reculer et de réguler, comme l'a dit Pierre Dharréville, le recours à l'intérim dans le secteur sanitaire. C'est mieux si on s'attaque aux racines de celui-ci. Et ça renvoie à tout ce qu'on a déjà évoqué sur la question des rémunérations et de la qualité, si j'ose dire, de vie au travail des professionnels de santé dans les hôpitaux. Merci, Madame la rapporteure générale. Oui, très rapidement, Marc Ferracci a déjà... Excuse-moi. Monsieur Neudert. Merci, Madame la Présidente. En fait, je vais pas redétailler mon amendement qui est dans le sens de ce qui vient d'être dit. Je ne voudrais pas qu'on tue non plus d'un seul coup, d'un seul l'intérim, parce que dans certaines situations, pour des équipes soignantes en équipe qui ont des problèmes, des accidents de la route, des maladies, l'intérim peut être utile. Le sujet, c'est que quand l'intérim devient le mode de fonctionnement habituel, et ça fait exploser les coûts. Donc c'est ça dont on doit être juste dans nos propositions pour combattre cet intérim qui condamne le fonctionnement de certains de nos services, qu'ils soient hospitaliers, médicaux, sociaux ou autres, et en même temps qu'on puisse ne pas faire en sorte que cet intérim soit le seul mode de rémunération entre guillemets un peu facile aux sorties des études. C'est pour ça que je pense qu'au-delà du plafonnement qui avait été justement prévu et pas complètement mis en application du fait de la loi RIS, qu'on puisse maintenant mettre une durée. Et j'ai proposé dans cet amendement 3 ans qui correspond globalement à la durée, alors 2 ans, 3 ans, de nos assistanats clinica dans nos hôpitaux, dans nos facultés. Donc c'était un petit peu aussi pour permettre, parce qu'on voit aussi dans nos hôpitaux des refus de prise de poste, enfin des propositions non accueillies favorablement par nos internes qui préfèrent finalement aller faire du mercenariat plutôt que de prendre finalement 2 ans de surspécialisation dans les spécialités comme dans d'autres secteurs comme la médecine générale. Et c'est un peu étonnant où il y a quelques années, on se battait pour ces postes d'assistant chef de clinique et que maintenant, on se les voit refuser pour favoriser de l'intérim en ville. Donc, je pense que c'est aussi pour redonner un peu de valeur aux choses que de dire que cette durée de 3 ans serait intéressante. Merci, Madame la rapporteure générale. Sur le principe, il ne me semble pas nécessaire de mettre dans la loi cette durée parce qu'actuellement, les ordres des professionnels sont en concertation pour savoir la durée. D'ailleurs, on peut se poser la question de est-ce qu'il faut la même durée pour chacune des professions. Je pense que c'est une vraie question. Donc, cette concertation a lieu. Donc, je vous propose je suis défavorable à ce que nous l'inscrivions maintenant dans le cadre de la loi. Monsieur Delaporte. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure. Cette question est importante parce qu'elle pose la question du rôle du Parlement et de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et vous êtes bien placé pour savoir, parce que le sujet de l'intérim médical est un sujet que vous connaissez particulièrement, que même quand le Parlement décide quelque chose, il arrive que ça ne rentre pas en vigueur et que ça ne soit pas appliqué. Non. Manifestement, là, sur ce sujet de l'intérim médical, même si on considère que l'intérim permet de pallier un certain nombre de défaillances et d'absences. Vous l'aviez justement souligné, on a des niveaux de rémunération délirantes, on a une logique de mise en concurrence des différents lieux de établissements de santé. Bref, c'est un bazar sans nom qui pénalise à la fois le citoyen, le contribuable et l'usager du système de santé. Bref, rien ne va, et peut-être qu'il faut des fois que le Parlement prenne les devants, et c'est pour ça que mettre des durées, et notamment en faisant en sorte d'éviter que les jeunes médecins, et nos collègues l'évoquaient à l'instant, soient tentés par l'intérim qui est si rémunérateur, puisque les décrets d'application de votre loi ne sont pas rentrés en vigueur et que des contrats illégaux continuent d'exister, voilà, il faut qu'on essaie d'avoir une régulation la plus forte, et dès la source, c'est-à-dire dès la loi, et de ne pas attendre une discussion à venir et potentielle. Nous avons un rôle, le législateur doit exercer son pouvoir jusqu'au bout, et donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on ait des durées qui soient fixées dès maintenant, même si voilà, on peut éventuellement en discuter sur la durée pertinente. Merci, monsieur Delaporte. Madame la rapporteure générale, vous vouliez prendre la parole ? Madame la rapporteure. Excusez-moi.
Oui, je reviens. Moi, je regrette aussi que la loi qu'on a votée il y a un an et demi ne soit pas mise en place. Il ne nous aura pas échappé à tous qu'il y a eu aussi des crises sanitaires et l'urgence était sûrement ailleurs. Je voudrais redire pour la bonne information que le ministre de la Santé s'est engagé à ce que cette loi soit mise en place, si nous votons d'ailleurs cet article, dans le même temps, au printemps 2023. Oui, c'est un sujet très important, donc je prendrai encore 5 prises de parole. Et ensuite, on procédera au vote. Donc, Madame Caroline Fiat. Merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure générale, j'ai un souci avec votre réponse, parce que les ordres vont décider. Il n'y a pas d'ordre d'aide-soignant. Il n'y a pas d'ordre auxiliaire puère. Donc, c'est embêtant. C'est qui va décider pour nous, une fois de plus. Pour le coup, là, j'étais d'accord que ce soit le Parlement qui décide. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Avant, à l'hôpital, il existait des pôles de remplacement où il y avait ce qu'on appelait les volantes. Nos emplois se sont tellement dégradés que... je vous le crie souvent, que tous mes collègues démissionnent encore et encore. Et déjà, on manque de personnel dans les services, donc ces pôles de remplacement n'existent plus, parce qu'il faut systématiquement combler les trous dans les services. Alors, plutôt que de... Je voterai ces amendements, mais peut-être qu'un jour, on cherchera une solution pour que tout le monde ait envie de refaire ces plus beaux métiers du monde, les métiers du soin, que tout le monde revienne et que les pôles de remplacement puissent de nouveau exister. Et c'est peut-être là qu'est la solution. Évidemment, je parle des ratios. Madame Valentin. Oui, merci Madame la Présidente. C'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé de l'intérim médical lors de la dernière mandature. On attend tous ce décret. Effectivement, dans l'ensemble de nos établissements, on se rend compte qu'on a des mercenaires, je pense notamment chez les urgentistes, où vraiment on a tous besoin d'urgentistes dans les établissements, et qu'effectivement aujourd'hui c'est au plus offrant. Moi je trouve que l'amendement de Yannick Neuder est plutôt très bien, puisque ça évitera effectivement que les jeunes sortis d'études prennent goût à ce mercenariat. En tout cas, pour avoir auditionné certains médecins qui ne font que de l'intérim, ils vous disent finalement, moi je travaille 10 jours dans le mois et je gagne beaucoup plus que tout le monde. Et ça, je trouve que c'est pas entendable et qu'effectivement, on doit le limiter. Merci Madame Valentin. Madame Corneloup. Oui, juste pour rebondir également sur l'intérim médical. Puisque suite à la loi que nous avons votée lors de la précédente mandature, certains directeurs d'établissement ont commencé à réfléchir à son application. Et effectivement, je parle de ce que je connais, puisque chez moi, il y a un hôpital de proximité qui fonctionnait avec un certain nombre d'intérimaires. Le fait de plafonner la rémunération des intérimaires de façon unilatérale, que vous soyez à Lille ou à Paray-le-Monial, ça a eu des incidences extrêmement fortes avec des intérimaires qui ont démissionné, remettant en cause sérieusement le service des urgences, en particulier à Noël dernier. Donc je crois qu'il faut être absolument vigilant. Quant à ce plafonnement, je suis bien évidemment favorable à un plafonnement, parce qu'aujourd'hui, nous voyons bien qu'un dumping s'est installé de façon importante. Mais le fait qu'il s'applique de façon unilatérale à tous les territoires, qu'il soit favorisé ou défavorisé, c'est un vrai problème et c'est une question grave pour le maintien des services. Merci Madame Corneloup. Madame Iborra. Oui, moi je voulais dire peut-être que fixer dès maintenant une date, c'est un peu périlleux dans la mesure où on n'a pas d'étude d'impact et que déjà dans le médico-social, on a vraiment des problèmes de présence de personnes et il faut... Merci Madame Iborra. Madame Janvier. Oui, ça me permet aussi de parler de l'amendement qu'on va présenter tout à l'heure, qui ne fait pas mention d'une durée précise, mais renvoie cette précision
à la publication d'un décret, donc ce qui permet effectivement d'ouvrir des concertations avec les syndicats. Et pour répondre à, là, d'un point de vue plus philosophique, à l'argument que vous développiez, monsieur Delaporte, moi, au contraire, je ne suis pas favorable à ce que la loi soit trop bavarde. On voit bien combien, lorsque nous apportons trop de précisions, qui sont d'ailleurs parfois d'un niveau réglementaire, dans nos articles de loi, eh bien, cela non seulement produit de la complexité administrative, mais par ailleurs, ça embolise, ça rigidifie les discussions et finalement la bonne application des principes qui, eux, sont définis et ont vocation à être définis dans la loi, des principes que nous définissons. Donc, au contraire, moi, je crois qu'il faut faire preuve, il faut bien différencier et identifier le niveau où nous nous plaçons, qui est, à mon avis, celui des principes et des objectifs que nous partageons sur la question de l'interdiction de l'intérim médical. Merci, madame Janvier. Madame la rapporteure générale, sur l'ensemble de ces discussions. Je suis défavorable à inscrire une durée dans la loi. Donc nous allons procéder au vote de ces amendements. Nous allons commencer par l'amendement 9 de monsieur Guedj, qui est pour, qui est contre, rejeté. L'amendement numéro 10 de monsieur Guedj, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 11 de monsieur Guedj, qui est pour, qui est contre, qui est pour, excusez-moi, qui est contre. L'amendement 8 de monsieur Guedj, qui est pour, qui est contre, rejeté. L'amendement de monsieur Neuder, 189, qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Nous allons... Monsieur Juvin pour l'amendement 1386. Merci. Merci madame la présidente. Suite de la discussion sur la rémunération des intérimaires, l'amendement apporte deux précisions. Tout d'abord sur le niveau général, en faisant référence à cette notion qui existe dans le code de déontologie médicale pour les honoraires, mais pas pour les salaires. C'est la notion de tact et mesure. Les montants des rémunérations de ces professionnels de santé doivent être déterminés avec tact et mesure. Et dans une deuxième partie de l'amendement, il est dit que ce montant doit être fixé dans chaque département. Donc vraiment une différenciation territoriale qui est très importante, qui a été soulevée par un certain nombre de collègues, qui est fixée par, ça sera fixé par l'ARS après consultation à la fois des hôpitaux du département et des associations d'élus locaux qui sont évidemment impliqués dans cette affaire. Madame la rapporteure générale. Non, mais alors, moi je suis vraiment défavorable à ça parce que si vous choisissez... dans un département, un prix de plafond, les intérimaires mercenaires. Il ne faut pas généraliser hein, l'ensemble des médecins de ceux qui font de l'intérim n'utilisent pas le non-tact et la non-mesure, mais ça existe et on le sait bien. Et si vous différenciez en fonction des départements, ils vont aller choisir les départements où ils seront le mieux payés. Donc non, vraiment défavorable à ça. Je pense qu'au contraire, il faut le faire à une date précise. Pour tout le pays, j'entends les inquiétudes de certains directeurs d'établissements, notamment les plus fragiles. On y arrivera seulement justement si c'est partout en même temps et qu'il n'y a pas d'autres offres possibles. Parce que ces professionnels devront forcément admettre l'offre qu'on leur fait s'il n'y a pas une offre meilleure ailleurs. Donc non, tout à fait. Enfin, demande de retrait ou défavorable. Je vais procéder au vote donc, de cet amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Monsieur Guedj, l'amendement 14, vous l'aviez défendu ? Pas du tout. Pas du tout ? Non. Le 13, non plus ? Le 13, il n'y en a pas de 13. Ah non, le 13, le 47 et le 14. Non, je vous parle du 14. Alors, je vais sur le 14, parce qu'il n'a pas du tout été défendu. Et pourtant, vous l'aviez énoncé tout à l'heure. Ah, non, d'accord. Non, je me suis trompé dans la formulation. Non, mais d'autant plus que celui-là, franchement, mes chers collègues, dès l'instant où nous sommes d'accord pour poser le principe de cette interdiction du recours à l'intérim, même si nous aurions souhaité qu'il soit plus précis sur la durée, on va quand même pointer un paradoxe. Enfin, en tous les cas, vous avez posé le principe d'une interdiction sans aucune sanction. Pour le législateur que nous sommes, poser une interdiction sans sanction et sur les amendements d'après, sans dispositif de contrôle, admettez que c'est quand même un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Et donc, en cohérence avec la volonté que nous avons de réguler, d'encadrer et d'interdire dans certaines situations le recours
à l'intérim médical, il faut prévoir une sanction. On vous propose de renvoyer au décret la définition de cette sanction. Mais si le législateur qui pose une interdiction ne prévoit pas la sanction, je peux vous dire qu'il ne sert pas à grand-chose. Et donc, je pense que pour l'efficacité du dispositif dont je vous redis que nous soutenons le principe, il faut prévoir la sanction immédiatement. C'est le sens de cet article, de cet amendement. Et voilà. Je pense que... Merci, M. Guedj. Madame la rapporteure générale. Ce que vous dites, si je comprends bien, mais je voudrais être sûre de bien comprendre avant de donner l'avis, c'est que le décret est bien prévu dans l'article qui est donné, mais vous, vous voulez rajouter que ce décret prévoit les sanctions, ce qui paraît évident. Mais voilà, enfin, si c'est ça, honnêtement, j'ai un avis de sagesse. Il me semble important qu'à partir du moment où on met une obligation, quand cette obligation n'est pas respectée, il y a une sanction. Mais... Monsieur Thomas Meunier. Alors, merci Madame la Présidente. Juste un mot pour aller dans le sens du collègue Guedj, parce qu'il semble important de fixer, de prévoir les sanctions. J'aurais une question supplémentaire, parce que finalement, on est là sur l'interdiction d'intérim avec les entreprises d'intérim. A-t-on des éléments, est-ce que vous avez en votre possession des éléments de la part du gouvernement dans les discussions préalables à l'examen de ce texte, sur les possibilités de contourner cet article 25 par des contrats de gré à gré, parce que finalement, la principale limite de cet article, il est là. Donc, je vais procéder au vote de l'amendement 14 de M. Guedj, qui est pour... Qui est contre ? Qui est contre ? Adopté. Monsieur Guedj, pour le... On continue, Monsieur Guedj, pour le 47. Pour aller vite, c'est aussi dans la précision des modalités de surveillance et d'application, en confiant aux S'il vous plaît, mes chers collègues. Le pouvoir précisément de contrôler que les agences intérimédicales et paramédicales... S'il vous plaît, mes collègues. Quand elles mettent à disposition des intermédiaires médicaux, mes chers collègues, de veiller à ce qui est bien une durée minimale d'exercice antérieur. Voilà, donc, Merci, Madame la rapporteure générale. Non, là, pour le coup, très défavorable, parce que, déjà, vu le nombre, on imagine les difficultés de contrôler chacun des contrats. Et puis, l'autre idée est aussi de responsabiliser les entreprises qui utilisent l'intérim. Donc, défavorable. Je vais faire procéder au vote de l'amendement 47 de M. Guedj. Qui est pour ? Qui est contre ? Merci, il est rejeté. Bon, l'amendement 13 de M. Guedj, vous l'aviez défendu, celui-ci. Je ne demande l'ai pas de retrait. Défendu. Non, je ne l'ai pas défendu. mais je vais, en une seule Guedj. Phrase, j'ai compris que tout le monde a envie. L'extension aux établissements médico-sociaux pour les raisons que nous avons évoquées, je vois bien que suivent derrière les amendements de la rapporteure et de Caroline Janvier pour là aussi prévoir des questions de délai. Je pense que nous pouvons afficher de manière plus volontaire, peut-être même avec un délai, le principe à terme d'une interdiction du recours à l'intérim médical et paramédical dans les établissements pour personnes âgées. Voilà. Merci, Madame la rapporteure générale. Non, je voudrais qu'on soit très clair. Je pense qu'il y a... nous, ce qu'on propose avec Caroline Janvier et d'autres, c'est d'étendre l'interdiction de l'intérim médico-social. Il n'y a pas de question de délai dans notre amendement. C'est pour être tout à fait clair envers vous, M. Guedj. Merci. Je vais mettre au vote l'amendement 13, M. Guedj. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous avons maintenant 4 amendements pouvant être mis en discussion commune. Madame Caroline Janvier, s'il vous plaît. Oui, alors je l'ai présenté tout à l'heure quand je me suis exprimée à ce sujet pour préciser la différence, c'est-à-dire que cet amendement-là ne prévoit pas, ne précise pas la durée puisqu'il la renvoie à un décret, ce qui permet encore une fois d'avoir des discussions et d'avoir une durée qui soit
comment dire, mieux calibrée sur à la fois les difficultés de recrutement du secteur et les échanges que nous pouvons avoir avec les syndicats. Merci. Madame la rapporteure générale. Oh, excusez-moi, c'est vrai. Madame Christol, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à élargir l'article 25 à l'encadrement de l'intérim des jeunes professionnels dans les établissements et services à domicile. C'est un enjeu de stabilité des équipes et de coûts pour les établissements et services, et donc in fine un enjeu de qualité de prise en charge des personnes âgées. Mais je prends acte que l'amendement des rapporteurs couvre également les établissements et services pour les personnes en situation de handicap. Donc si vous le souhaitez, je retire mon amendement. C'est noté. Monsieur, l'amendement de monsieur, de madame Vidal d'abord. Merci, c'est le même objet que les amendements défendus précédemment, avec un dispositif un peu différent, mais l'objet est bien d'étendre les conditions de l'article 25 aux établissements sociaux et services médico-sociaux. C'est un amendement qui est porté par le groupe. Merci. Monsieur Isaac Sibyl, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. C'est effectivement un amendement aussi du groupe démocrate et apparenté. C'est bien de le faire. C'est vraiment miroir par rapport à ce qu'on fait au niveau médical. Et on ne peut que le soutenir. Merci. Merci, Madame la rapporteure générale. Favorable. Monsieur Colombani, vous vouliez prendre la parole. Oui, ça semble une bonne mesure, mais les causes de l'utilisation des intérims n'est pas forcément le même côté médical pur que dans le personnel médico-social. Autant il y a une pénurie de médecins, autant de l'autre côté, le fond du problème, c'est le salaire dans ces établissements médico-sociaux. Ça permet de mieux rémunérer les gens qui y travaillent. Le fond du problème, c'est qu'il faudrait d'abord monter les salaires pour pouvoir avoir moins recours aux intérimaires. Et puis, il y a un angle mort qu'on n'a pas eu dans les débats. Moi, j'attire votre attention sur les intérimaires à l'hôpital. On commence à voir de plus en plus le même pendant avec les effets d'aubaine dans la médecine libérale et la médecine de ville. Quand les collectivités locales se retrouvent confrontées à de la surenchère, à l'installation. Et là aussi, il faudrait imaginer un système pour border les gens qui viennent réclamer la voiture, le local, le logement, l'emploi pour le conjoint. Il y a peut-être des demandes qui sont licites, mais quand on met les collectivités territoriales entre... il y en a qui n'ont pas les moyens de suivre et ça ne résout pas les problèmes non plus. Merci, Madame Fiat, s'il vous plaît. Votre micro, Monsieur Colombani. Pardon. Merci, Madame la Présidente. Je profite de ces amendements que nous voterons pour vous alerter, Madame la rapporteure, parce qu'effectivement, ça ne peut pas passer l'article 40. On parle beaucoup des intérimaires, mais ce qui pose énormément de problèmes, vous n'êtes pas sans savoir que les renforts sanitaires sont encore sur le terrain. Les mails tombent régulièrement, tous les mois. En moyenne, on reçoit une alerte sanitaire. Ces renforts gagnent rien, voire pour dire très peu. J'attire votre attention sur le fait que si on veut que les gens aillent faire du renfort, il faudrait au moins les rémunérer pour qu'on ne passe pas par de l'intérim. Oui, merci, Madame la rapporteure générale. Je demanderais... Excusez-moi, Madame la rapporteure générale, Monsieur Pierre Dharréville. Et je prendrai plus de prise de parole puisque nous comptons quand même terminer à 13 heures. Nous avons encore pas mal d'articles à étudier. Merci. Merci, Madame la Présidente. Donc, très rapidement, pour prolonger le propos de notre collègue Colombani, c'est vrai qu'il peut y avoir un sujet de rémunération. Il y a des choses qui sont parfois en train de changer pour ce qui concerne, par exemple, les médecins coordonnateurs dans les établissements, dans les EHPAD. Avec des pratiques de débauchage d'un certain nombre, parfois y compris au sein même de la fonction publique, hein, des grands, Madame la rapporteure générale, je voulais vous alerter là-dessus, parfois des grands hôpitaux qui cherchent à débaucher des praticiens qui sont médecins coordonnateurs dans des petites structures pour essayer de répondre à leurs propres besoins, ce qui crée quand même un certain nombre de problèmes par ailleurs. Alors je sais bien que c'est pas forcément l'objet là ici de répondre à ça, mais je me permets d'attirer votre attention sur ce sujet. Merci, Madame la rapporteure générale. Oui. Attendez encore une fois. Monsieur Gage, mais alors vraiment, très court. Non, mais juste pour dire que nous allons soutenir ces amendements. Ils s'inscrivent dans l'esprit de l'amendement que j'avais déposé, mais qui lui prévoyait un délai. Mais moi, je souscris. Alors du coup, par parallélisme,
il serait aussi intéressant, peut-être en vue de la séance, d'intégrer que pour ces établissements-là aussi, on prévoit le dispositif de sanctions dans le décret. Merci. Madame la rapporteure générale, ce coup-ci, c'est la bonne. Alors, on a un sujet d'écriture de la loi, parce que à partir du moment où on va adopter, si on adopte celui que j'ai défendu avec Caroline Janvier, les autres étant redisant la même chose, pour que l'écriture de la loi ne ressemble pas à rien, il faudrait retirer... Il tombe. Il tombe tout de suite. Il tombe tout de suite. Bon, alors j'ai rien dit. Je vais mettre donc aux voix... il n'y a plus que 3 amendements sur 4, puisque Madame Christol a retiré son amendement. Donc je mets aux voix l'amendement 1651 de Madame Rist et Caroline Janvier. Qui est pour ? Qui est contre ? Parfait. Cet amendement est adopté, donc fait tomber les 2 autres suivants. Merci. Non, parce qu'il y a un qui a été retiré. Je mets aux voix l'article 25 ainsi modifié. Qui est pour ? Qui est contre ? L'article est adopté. Et attendez, encore un amendement, un seul, de Monsieur Gage. L'amendement, donc, après, alors, c'est l'amendement après, un des amendements après l'article 25, donc le 106. Et ensuite, nous pourrons aller déjeuner. Monsieur Gage. Qui vise à... S'il vous plaît, un peu de calme. Oui, c'est un amendement de repli qui visait à limiter l'exercice d'activité de médecine à 6 mois. Par période de 5 ans et 24 mois en zone sous-dense. Mais peut-être que, vu les échanges qu'on vient d'avoir, on peut le retirer, Jérôme. Je m'en remets à la sagesse de mon oui. Voilà. Donc, Madame la rapporteure, sur le retrait de cet amendement, très bien. Donc voilà, l'amendement est retiré. Merci, Monsieur Gage. Bon appétit à tout le monde et on se retrouve à 15h dans cette salle. Merci.